On a une table. Insane. Attendez, parce que là, c'est insane. La table fonctionne. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire que c'est. Là, on voit la table. Une dinguerie. Attendez, mais niveau technologie, c'est un niveau rarement atteint, là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais... En bois slash vert, oui. Là, elle est en bois. Hein. Attendez, si je rentre, attendez, si je sors... Quelqu'un. Un vrai Jean ou c'est pas un vrai Jean? Je sais pas. Hop. Est-ce qu'elle est toujours en bois? Ah ouais, ok, ça tient cette histoire. Oui, non, c'est un vrai Jean. Ça. Hop. Pétard, il y a la neige partout, ça y est. Bonjour. Bonjour. Oh bah ah, c'est Ezekiel. Bah ouais, salut Ezekiel. Oh bah oui. Ah ouais, on comment est voisins. Comment tu vas? Ah bah oui, on m'a dit, c'est trop bien. Ouais. T'habites au 16, j'habite au 15. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça fait longtemps? Moi, ça fait... Là, c'est le troisième jour que j'habite là. D'accord, ah ouais. C'est récent. Bah trop bien, Je suis trop content. Ouais. Bah Bétard, ça nous a surpris avec Mandy quand on s'est dit nos numéros d'appart, ça nous a surpris. Hein. Ouais, bah c'est bien. Bah moi j'aime bien. Elle a bien cette résidence. Il y a quoi des gens gentils. Depuis le temps que je voulais y habiter, moi, oui. Parle. Ouais, c'est une belle résidence. Il y a plein de gens, c'est proche de tout. Il y a un gros parking. Bah ouais. Et puis il y a la plancha. T'as vu la plancha? Oui, bah évidemment. Elle est trop bien la plancha. Ah oui, puis il y a tous les gens à qui je parle qui habitent ici quand même. Et... Bah ouais, moi aussi, il y a tous mes copains. Putain. Hop. C'est quand la première sortie à moto? Je sais pas, justement, faut qu'on en parle avec Mandy, mais je crois que ce soir elle est un peu fatiguée. Ouais, d'accord. De ce qu'elle m'avait dit, donc je sais pas si elle va pas traîner chez vous. D'accord, ouais, pas de soucis. Mais ouais, là on en parle, et dès qu'on a mis une date, on vous le dit de toute façon. Mais ça devrait arriver bientôt, hein. Semaine prochaine ou semaine d'après, ça part. Hein. Ouais, j'espère que je fais pas trop de bruit avec la guitare, je répète et tout. Si je suis trop bruyant, tu me le dis. Bon, non, j'ai rien entendu. Moi, je rompige comme une pierre. Hein. D'accord. Ouais, Coco Den, excuse-moi. Coco Den. Vas-y. Je te laisse, je vais au resto. Ouais, bisous. C'est pas vrai, je vais pas au resto, je vais acheter une motoneige. Je vais voir le prix déjà. Avec les bonnets, tu reconnais personne. Ah ouais, non, là, j'ai pas reconnu, là. Allez, ça commence déjà à être la catastrophe. Je pensais qu'ils allaient aller tout droit les deux, mais non. T'as RP ce soir ou pas, Maël et Plipli? T'as RP ou pas ce soir? Pétard. Oui. Non, je touche pas, si. Ah, ok, j'en ai touché deux. Oui, je finis de manger. Ok. Yep. Oh, let's go. Ok, est-ce qu'il y a les motoneiges? Si oui, combien elles coûtent? Il y aura déjà des gens là, non? Ok, les motoneiges. J'aime pas ma veste, j'aime pas... Et moi, les vestes en cuir, IRL, c'est pas mon truc, et Eddie, c'est pas son truc non plus, du coup. C'est où? Là, moto. J'ai pas l'impression. Ça s'appelle comment? C'est les pingouins, je crois. Penguins, ils ont dit. Pingouin. MNO. Bah, P, là, y a pas de pingouin. Off-road? Pingouin? Non mais c'est pas arrivé en fait, juste. Ah, c'est 5000! Oh putain de merde. Oh putain de merde. Oh, je pensais que ça allait être 50 000. Oh.
Dégagez! Faites place! Faites place! Ouais. Waouh! C'est bien, ça va même pas me retarder tant que ça pour donner les 20 000 à Axel. Oh là là, la vie est géniale des fois quand même. Aïe. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, c'est une catastrophe. Y'a rien qui va. Retirez. 5000 balles. Hop, même pas de mallette, même pas besoin de G6. Oh la lumière violette, elle est stylée là. J'avais jamais fait gaffe. Est-ce qu'il y a mon vélo ici du coup? Et non, putain, mais il est où mon vélo? Il est où mon vélo? J'ai perdu mon vélo. Mon vélo, mon vélo. Faut que je fasse gaffe à pas crever de faim aussi. Parce que bah, j'ai plus rien à manger. J'aime pas ma veste en cuir, mais je sais pas quoi mettre d'autre pour que ça aille avec le col roulax, là. C'est trop... On a rien, nous. En veste, on a rien, les hommes. C'est pas sympa. C'est pas sympa, c'est pas sympa. Pourquoi moi toutes mes ombres et mes... Enfin bon, les ombres aussi je sais, mais pourquoi le... les contours des objets et tout, ils sont tout pas lisses, en tout des zigzags et tout. Je sais pas quel paramètre c'est ça. Avec la neige ça fait des trucs comme ça. Ah ouais, c'est... Attendez, mais elles sont énormes. Attendez, mais c'est énorme. Je pensais pas que c'était. Attendez. Bon, je vais me préparer à RP. Des bisous. Vas-y, merci beaucoup d'être passé, Maël. Merci beaucoup. Attendez, mais c'est énorme. C'est immense. Hey, mais faut que je mette un casque avec ça, moi. La position. Moi aussi, je fais l'RP. Bisous, mon stream. Vas-y, vas-y, y'a tout le temps RP. Merci d'être passé, Axel. Enfin, plus, je veux dire. Hop. Ça va pas fort.
oui. Non, 17. Oui, non, mais voilà. Hop. Hop. Oh, let's go! Oh là, oui, d'accord, oh là. Oh, wow! Il y a des gens qui se sont pris en photo devant. Mais non, ouais. Hop. Hop. Oh, pétard de pétard. Apparemment, c'est fermé. Quoi, c'est quoi cette icône sur le... GPS, là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Louer une motoneige. Ah, on peut en louer. Ah, c'était peut-être plus malin que d'en acheter. Ok. Wow. Non, c'est pas... Bon bah tant pis. Wow, ok. Il faut faire attention quand même quoi. Ça s'appelle une motoneige, mais ça se conduit pas vraiment comme une moto. Oh.
Wouh! Wouh! C'est pas ouvert. Mais... Pardon, j'allais donner un truc à ma mère. Vas-y, moi je veux pas ouvrir s'il y a personne qui... Oh. Moi aussi je veux m'amuser là. Ok, ok, ok. Bon bah j'arrive. Ok. Ah ouais. Il disait, on me renie, on me refuse. On me... Wouh, wouh. Après, faut couiller, on a quand même en ville. Je vais pas non plus me... Hop là. Oui. Moto Kevin. Ouais, c'est une nouvelle moto neige. Waouh. Une nouvelle moto neige Arthur. Quelque chose à compenser. Mais non, mais elles sont toutes aussi grosses, hein. C'est pas moi qui ai choisi la taille, hein. Promis, hein. Promis. Oh pétard. Salut! Oh. Comment ça va, Eddy? Ça va super, et toi? Bah, ça va, ça va. Pétard! Et c'est. C'est. Bah, ouais, puis c'est vachement plus gros que ce à quoi je m'attendais, dis donc. Ah, ouais, ouais, c'est ce que. Ah ouais, 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 ouais. Oh, quand même. J'ai pas fini ma phrase. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, une petite répa, quoi. C'est parce que j'ai. Ouais. Ça glisse un peu, j'ai pris quelques. Ouais. Bah, oui, bah, c'est un peu l'idée, hein, que ça glisse, sinon. Non, c'est sûr. C'est sûr. Triste. Là. Oui, non, c'est vrai. T'as bien raison.
C'est parti pour une petite répa. Let's go. Salut. Enfin, salut. Et coucou. Il est tard. Alors, t'as pris une motoneige? Ouais, elle est là-bas. Parking. Ah oui. Détecté par les capteurs du portail d'entrée. Vous pouvez passer par la sortie sans prétention. Ok, normalement, il n'y a pas de faute. Quatre pas. Bah ouais, parce que ça glisse bien, quoi. Ah oui, hein. Tu as custom un peu? Bah, je sais pas, on peut faire quoi dessus? Tu peux faire le nacrage, la full perf, la couleur de la vitre et le klaxon. Hmm. Ça vaut le coup, la full perf, c'est cher? Full perf plus nacrage, il y en a pour 6630. Pétard. Il y a vraiment une différence avec la full perf? Oui. Ah ouais, quand même. Et bon, remonie. Après, j'ai une motoneige, c'est vachement cool. T'es pas obligé de la... Oui, oui, oui. Mais Tu peux pas faire les couleurs, tu peux juste faire le nacrage. Ah ouais. Moi, je comprends rien à ce truc de calendrier, là. Comment ça? J'ai rien compris comment ça fonctionnait. Il suffit de... Tu demandes une course et du coup, tu participes à une tombola journalière, on va dire. Une course? Comment ça, une course? Bah, tu demandes au taxi de te t'amener d'un point A à un point B. Non, mais aujourd'hui, c'est vous. Oui, mais c'est les taxis qui font les trucs. Ah. Pour participer au... Enfin, pour ah oui, il faut essayer demander... de gagner, il faut oui, faire d'accord. Une course en taxi. En gros, une course en taxi, aujourd'hui, c'est vous qui donnez le lot. Voilà, si tu si t'es tiré au si sort, on est tiré au sort. D'accord. Tu gagnes le bon de 2000$. D'accord. Et pour ça, il faut prendre les taxis. Évidemment. Après, il n'y a pas énormément de monde qui le fait, donc t'as tes chances, en vrai. Ah ouais. Il faut une bonne publicité, quand même. Hein. Bah ouais. Bah, hier, j'ai pris le taxi 3 fois, quand même. Hein. Ouais, mais ça sert à rien, parce que hier... Non, mais j'étais obligé, de toute façon, mais... Ah. Oh bah tu peux pas gagner tes propres lots. Bah ouais. Tu veux faire quoi? C'est pour une... du tuning? Bah non, au début c'était pour une répa, mais... Ah pétard, du coup maintenant que je sais qu'on peut pas changer les couleurs, je suis dégoûté qu'il m'ait donné cette couleur là. Ah. Ouais, parce qu'il y avait tout blanc. Ouais. Ah bon. Après, non, si il est blanc, c'est qu'il est crade. Pas grand chose. Bon bah je sais pas quoi t'as dit. Je te rassure, hein, ils sont tous pareils. Tu... Si ah il est ouais blanc, c'est qu'il est... Ouais, il est sale. Mais c'est pas okay les couleurs que tu as sur la Simkimila? Si, mais il y avait plus d'orange. Ah ouais. Eh ben, on peut mettre un super nacrage orange. Oui. Ah ouais. Ouais, ce serait pas si flamboyant que tes néons, mais. Ah mais le orange. Au moins mettre un nacrage orange. Mais d'ailleurs, bien, ouais. D'ailleurs, c'est bien. Une ou deux places ça? Une. Pas drôle. Axel va faire sa GB en blanche. Ah oui, c'est vrai. Je suis sûr. Attends, je vais vous dire, mais... Non, je... Parce que avec les motos, normalement, faut passer par la sortie parce que ça détecte pas les motos neige. C'est pour ça. Comment ça va, Mouni? Le phare, ça prend 2 secondes. Tu te sens ambiancé, tu mets les néons. Et bonsoir. Salut Axel. Au revoir. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a? Déjà la facture de leur réponse. C'est ton cul, je crois. Ça va aller?
Je m'attendais pas. C'était surtout tu le choc. De l'air si vous avez de l'air en bouteille, je veux bien. Si vous avez un masque, un tuba. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi tout. Eh ben, tu sais, c'est pas compliqué. Ouais. Même chose, mais en blanc. Alors, on voit du trou blanc. Pour un rhume. C'est dingue d'être aussi fragile. Alors, j'ai le seum, j'ai rien pu faire de ma journée. Ah ouais, voilà. Blanc voilà. Polaire, beige, blanc mat, neige, coton, albâtre, blanc pur. Mais je pensais pas qu'il y aurait autant de choix dans le blanc, bordel de merde. Je crois que c'est le pur que vous aviez dessus. Ah ouais? Comme ça? Je sais plus, putain. Les blancs se ressemblent tellement. Bah, ça me dit un truc comme ça, hein, ça me dit un truc. Hein. Ça ira très bien comme ça. Oui, je pense que c'était le pur. Ok, d'accord, et ensuite? Tu peux enlever le. Attends, c'est quoi du coup là? Nacrage, le nacrage, ouais, le nacrage, tu peux l'enlever, ouais. Nickel. Alors attends. Mmh. Ah, mais un noir mat. Oui. Toc, et ensuite okay. Bah voilà. C'est tout? Ouais. Bah c'est nickel. Bah nickel. Et je valide. Et du coup, tu en violet? Auras pour 975 dollars. Ok, bah vas-y. On... Hein? Bah, tu veux pas monter? Rien. Je suis timide. Ah d'accord, non mais c'est comme ça. Non mais je déconne. Je pense, j'aurais pensé qu'il enlèverait les néons, tu vois. Ouais, je lui ai dit tu peux les désactiver, au pire, si tu te sens ambiancé, tu les mets. C'est vrai. Il a dit ouais, c'est vrai, je te ferai un petit souvenir de Sky. Oui, c'est bien de l'avoir, d'avoir l'option, quoi. Bonsoir, Georges. Ok. Bonsoir, Georges. Je suis pour 6600. Bonsoir. Ouais. Full perf et nacrage 6630. Parce que du coup un petit nacrage rouge là ou quoi là ça passera bien sur le noir, non c'est bien sur le noir du coup. C'est ça que tu as dit sous le siège. Ouais. Hein je vais montrer. Voilà. Voilà. Un beau rouge pétant là qui pète. Soit le brillant, soit le pulpe, je pense. Ouais, le brillant il se voit un peu mieux. Ouais, bah brillant hein. J'arrive pas à respirer par le nez. Juste ranger ma chambre, ça m'a épuisé. Ah oui, oui, on est. Ah oui. Ça c'est rouge Georges. Oui, c'est bien avancé déjà. Hein? Ah oui, j'ai. Bonsoir Georges. Effectivement. C'est rouge Georges. La couleur des. Rien à voir avec l'oiseau pour le coup, c'est ça? De la vitre avant, effectivement. Pas du tout. Ok, ok. De quoi? La couleur de la vitre avant aussi. Ah ouais? Tu vois? Là, c'est noir ou. Noir ou pas de vitre quoi? Très transparente quoi. C'est marrant de pas avoir de vitre ou pas là. Non, c'est juste elle était transparente, mais très propre. Ah ouais, ouais elle non, elle y est. Hein. Elle y est. Bah vas-y, pas de vitre. Enfin, ouais, comme ça, pas de vitre. D'accord, ça, comme ça. On verra mieux. Ok. Bon, les vitres teintées, moi ça me saoule. Ok, bah on a tout, on peut. Sinon le klaxon si on peut. Mets-moi un klaxon de camion. Hein. Ah, je m'attendais pas celui-là. Bon. Ouais moi aussi. Voilà. Alex, tu fais la mienne. Parfait. Oui si tu veux, tu veux klaxon. Ouais. Oh pétard, ah. Laquelle c'est? C'est celle qui est garée, non? Non. C'est celle-là. Salut. Je t'entends pas. C'est comment ça? Hein? Salut Alex. Salut. Oui, salut. Ah bah non, c'est pas moi ça. Ah re-salut. Salut Eddy, salut Alex. Salut. Comment c'est celle-là va? Du coup ou pas? Oui, c'est celle-là. Ok. Ouais, est-ce que celle de derrière, c'est celle de Maya? Ok. Allez, let's go. Ouais. T'as un joli sac à dos, tu vois. Oui, c'est pour la moto, c'est plus pratique. Ah ouais. Bon allez, moi je m'en vais, salut. Vas-y. Le klaxon de camion, oui. Bah, je veux tout sauf les suspensions. Ah oui, il y a fou, là. Ça sert à rien, pardon. On met quoi, du coup? Camion. Et voilà. Pour le klaxon. Non, pas le blindage. Parfait, bon alors je vais essayer de sortir ça entre Ouais, ça nous fait combien là déjà? Et voir le nacrage orange quand même au cas où. Waouh! Hop là. Il y a fou là, il y a trafic.
attends, mais il y a tout le monde qui en achète, hein. Bah c'est sûr, c'est sûr. Et je pensais que ce serait bien plus cher que ça, moi, dit, hein. Bah moi aussi, attends, je m'attendais à ce que ce soit 50 000. Ah, moi, ah, oh, je m'attendais à 30 000, tu vois. Ah, pétard. 30 000. Hein, à peu près. Parce que là, il me l'a volé, là-bas. Ah non, il est là. Et bah, attends, c'est le mien ou c'est un autre? Non, c'est peut-être un autre. Mais un petit orange, ah, non, c'est pas. Eh bah, bonne soirée à vous. Eh, bonne soirée, bonne soirée. Ouais, fais voir un peu comme ça rend. Alors, du coup, t'as celui-là. Ok, oh, ok, ok, ok. Bon, mets le plus mets celui que tu penses qui se verra le mieux, le plus pétant, je te fais confiance. Hein. Mmh. Celui-là, en vrai. Allez. Par là-dessus. Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut faire la vitre, enfin la bulle? Ouais. Genre peut-être pas full, mais ouais. Attends, c'est quoi le? Ouais, c'est bien là. De base, bien. Elle est comme ça. Ok, bah vas-y. Celui-là, celui-là, celui-là. Non, ça c'est trop ça. En léger. Ouais, c'est bien comme ça. Allez. Hop. Et puis, tu sais quoi, soyons fous, fais la perf. Je rembourse rien que c'est le plus tard, c'est pas grave. Ça va, c'est pas, elle est pas très chère en vrai. Ah oui, non, mais c'est parce que j'ai à prendre dans le budget d'Alex. D'Axel. Oh bah non, ça va pas prendre dans mon budget, non. Non, ça va pas prendre dans ton budget. Après, si tu veux, enfin bref. Du coup, ça ferait 7345. Allez, 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 bah ok. Ah oui, hop, hop, oh putain, allez hop, on n'a qu'une vie. Allez, on n'en parle plus. C'est allez, bon. C'est, allez, voilà. Mais bon, mon état est moins pire que pour mon premier Covid, je peux venir. Ah, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Pétard de pétard. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ah. C'est quoi? Oula, attends, je m'aperçois qu'il me manque un truc, là. Genre ton casque? Hop. Oui, aussi. Non. Mais non, mais pas surtout. Mais non, mais je sais pas. Je sais ce que ça fait, hein. Waouh! Ça va. Ça va. Je te laisse un peu au visage. Non. Ça va. Non, ça va. Non, c'est des boules de neige, c'est dangereux, Alex, quand on n'a pas de boules de neige. Mais ouais, alors. Je vais faire le plein. Mais elles font toujours aussi mal que ce matin ou pas? Non, elles font pas mal. Ah ouais? Alors, à moins que t'aies mis un caillou devant. Dedans. Non, parce que moi cette nuit j'ai eu une expérience traumatisante avec les boules de neige. Oh pétard. Ça va? Ça va. Oh waouh! Oh c'était esquive! Bah super! toi t'as pas besoin d'esquiver parce que moi je sais pas tirer. Eh! Oh. Plus. Ah. Plus. Je suis pas doué, je suis pas doué là. Je suis pas très doué. Plus trois ramasser la neige là. Waouh! Vous alors là! Touché! Waouh! Oh my god!
Waouh, double feu. J'essuie des tirs. J'arrive pas. Je fais le plein. Comment tu... Pourquoi tu fais des lancers ricochets, toi, quand tu fais ça, toi? Je sais pas comment elle fait. Comment tu lances ricochet? Pas en tout... En genre, vite. Oh, oh, vas-y! Bowling! Hop! Hop là! Tu tires où tu pointes? Et une pour la 12! À emporter! Hop! Oui! Ya! Vas-y, vas-y, ouais. Oh, non, je suis à sec. Ouah. Au. Eh. Aïe. Vous tirez sur un homme vide. Oh, wow. Voilà. Ah. Tiens. Oh non. Oula, ok. Ouh. Ça réchauffe, n'empêche. Ah ouais, ça entretient, ça c'est sûr. En parlant d'entretenir, t'aurais pas un truc à manger? Je me sens tout faiblos. Moi je mange du veggie, tu veux quelque chose? Oh, bah oui, moi je mange du chili végé d'habitude. Ok. Oh merci, ah oui, oh pétard. T'as de quoi boire? Ouais, non. Non mais bon, ouais, ça ouais. Va, j'ai bu il y a pas longtemps. Attends, pas fait exprès, je voulais juste la pousser parce qu'elle monopolisait le distributeur. Ah. Ben, appelle le SMS. C'est oui, bon, ils ont fait. J'ai pas fait exprès. Oh non. Oh non. Ah, je... Merci. Rien. Okay. Eh mais ça va aller, Ezekiel, c'est pas grave. Moi, je suis stressé en ce moment. Bon, moi, je décolle, passez une bonne soirée à tous et faites attention au bout de neige. Bonne soirée. Bonne soirée. Est-ce que tu veux un Spooky Dicky, Eddie? Bonne soirée, Maya. Ezekiel. Bonne soirée, Eddie. Moi, je veux bien un Spooky Dicky, s'il te plaît. Bah oui, c'est le principe. Non, ça va. Si t'en as en trop, moi, j'en veux bien. Mais non, c'était pour remonter le moral d'Ezekiel. Oh, merci beaucoup, Alex. De rien. Bien, bon, allez, passez une bonne soirée tous. Bonne soirée. Très bien, proposer un chocolat chaud, soirée. Il est tellement chaud, donc... Attends, tu fais de la redistribution. T'inquiète. Elle m'a fait de la peine. lui, il vend des Spooky Dees, là, et puis il offre, il les donne pas. Alors, ça va, j'ai donné un Spooky Dees. Mais on en a plein dans le frigo. Oui, c'est les miens. Donc, Ah bon, bah je veux pas. Je vais peut-être aller travailler, moi, mais je vais vous laisser. Ah, derrière quoi? Tu peux passer une commande? Ah oui, j'ai compris derrière. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ok. Là. Hop. T'as vu ça là? Il y a des si y a les boules peux, de neige et tout. 50 veggie. 50 veggie quoi? Burger? Ouais. Ok. Si tu peux, hein. Si tu peux pas, tu me fais les 25 comme d'hab. Et 50 bacon burger. S'il te plaît. Bacon.
Ok, donc c'est pour le Bénis, c'est pas que pour toi. Oui, oui, c'est pour le Bénis. Ok, ok. Ce sera tout ? Oui. Ok, bah je ramène ça. Merci. Oui, j'ai vu, mais bon, m'en fous, moi. Je veux juste voir la Shinobi. Ah, bah regarde, il y a mieux. Hop. Oui, oui. Oh ouais ! Ton casque ! Ouais. Hop là, je l'avais mis. Nickel. Parce ouais, qu'avec ouais, le soleil, tu l'as pas vu, c'est pour ça ? Ah bah oui, bien sûr, je t'ai ébloui, ouais. J'ai l'impression que t'as presque pas vu la conduire depuis que tu l'as. Bah en vrai, c'est, je l'ai acheté un soir tard, donc je l'ai pas beaucoup conduit. Parce qu'après, j'ai dû ramener en plus ce Delilah, donc j'ai pris la voiture. Après, j'ai pas joué le lendemain. Après, c'était jeudi, donc forcément... Ben, j'ai pas stream, même moi, mais moi je l'ai pas trop conduit et tout. J'ai juste custom off stream. Mais et là maintenant il y a les motoneiges. Donc c'est vrai que là pour l'instant j'ai pas la sortir de beaucoup. Hein. Après c'est l'hiver pour moi, les motoneiges, c'est sûr. Mais je vais la sortir. De toute façon pendant les balades je vais la sortir. Et comme il va y en avoir une la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vais la sortir. Zouin. Ça c'est le premier véhicule full perf que j'ai. C'est une motoneige. Salut. Ça va? Ah. Ouais, je t'entends quasiment pas. C'est à cause du casque et du vent, je pense. Ouais, peut-être. Mieux. Oui, c'est mieux. Ouais, ok. Oui, du coup, ça va, ouais, c'est toi. Ah oui. T'es toute seule? Axel qui est arrivé. Ah oui. Emilien, je sais pas s'il va bosser parce que tout le monde part à la chasse aux cadeaux et du coup... Ah, y'a des cadeaux? Ouais. Soir. Ah oui, d'ailleurs, attends. Putain, il y en a un par là, c'est ça? On fume tout le monde à une motoneige. Tu vas te faire mal au bras avec la motoneige. Tu vois pas la position. Non mais quand tu te couches vraiment, genre quand tu prends la position sportive, les coudes en arrière c'est des ailes. Mais tu fais... Ah oui, voilà. J'ai testé, mais je suis pas sûr. Puis il y a sûrement quelqu'un qui l'a déjà trouvé, donc... Ah, parce qu'il y a, je suppose qu'il y a un gain, il y a quelque chose. Bah, en fait... On n'est pas sûr, c'est ça. C'est sur le site du Weasel, tu regardes pas le Weasel, c'est ça. Bien sûr que si. Ouais, du coup, vous les reconnaîtrez, on est dans le vert et un numéro dessus pour gagner un cadeau. Il vous suffit de vous prendre en selfie avec le cadeau et la magie de Noël opérera. Mais ouais. Ouais, chelou. Mais du coup, ouais. Hein? Attends, ils disent... Ah, mais non, en plus, il est pas vert, il est jaune, le ruban. Il est, ouais. Moi, j'essaie de regarder. Est-ce que... je suis trop petite. J'arrive pas à voir. De quoi? J'arrive à monter là-dessus. Non. Où, tu veux regarder quoi? Ils disent qu'il y a un numéro sur le machin. Ah si, il y a un ruban vert sur le dessus. Il est petit. C'est écrit well done X sur 50. Pourquoi c'est écrit X sur 50? Ah ouais. C'est bizarre, X sur 50. Peut-être c'est en chiffre romain. Mais pourquoi le 50 il y serait pas? C'est une blague, oui je sais. Attends mais au pire, on va amener le rumpo. T'es pas en service, t'as pas le droit. Hey ah. Tu triches.
clients et tout le monde qui doit se demander ce qu'on fout là. C'est vraiment pile au moment où je t'en parle, hein. Tu m'en parles de quoi? Bah, pile au moment où je te parle des cadeaux, je le vois, quoi. Ah, ah tu l'avais pas vu? Bah, non. Mais je vois pas de numéro là, toujours, hein. Quoi? J'ai toujours pas de numéro, c'est toujours écrit X, hein. Ouais. Oui. Bah, oh là, il y a la gang des motoneiges. Ouais, il y a Noah et Anna qui m'ont voit pas. Ah, voilà. On voit mieux. Voilà. Bon, on va remettre une pour place. Oui. Salut Luna. Coucou. Attends, mais c'est ta voiture, ça? Oui, c'est ma nouvelle voiture. T'as acheté une club? Oui. Mais c'est pas une traction aussi, ça? Ah ouais? Je sais pas, j'ai pas remarqué. Je croyais que c'est une traction, moi. Attends, j'essaye. Peut-être pas, peut-être pas. Hein. Ah bah si. Ah bah si. Mais alors, je sais pas si elle est sur la radio. Je m'en fous, elle est super. T'achètes que des tractions. Elle est super, elle est belle. Ah non, par contre, elle est belle. Elle est pas assez blanche, le blanc il fait un peu gris. Mais je crois que c'est parce qu'il y a un ancrage. Ah oui, parce que je pensais qu'elle était grise, moi. Ben, oui, oui, elle est super ta doudoune. Oui, t'as vu? Putain! Elle me va bien, hein? Bah ouais! De toute façon, tout me va. Bah ouais. C'est chiant. Bah ouais. Mais toi aussi, tout te va, Eddy. Bah, bof, hein. Bah si. T'as acheté une motoneige? Dans le cœur. Acheter une motoneige? Ouais, j'en ai loué une, je me suis viandée, je me suis pété de côte, donc Ah oui. Voilà. T'avais pas mis la ceinture, t'avais pas mis la petite ceinture. Ça sert à rien, la ceinture. On ramasse les boules. Bah, comment ça? Ça sert à rien. Moi, je te descends. Oui, moi, nous, on en a trouvé deux. On en a trouvé deux, mais on n'a rien eu. Quoi? Qui c'est qui va t'attaquer? Ya! Yeah. Que je vous soudoie! Stoppez la guerre! Stop! Ah bon? Faites pas la guerre, oh, prenez de l'argent! Il y a de neige dans sa valise. Eh, ma valise, elle est pleine de neige! Arrêtez les billets! Arrêtez! Faut pas les mouiller! On négocie pas avec les terroristes! Et alors toi, la terroriste toi-même, non mais oh. Ah oui. Ya yeah. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oh, hop. Hop, celle-là, elle est délivrée. Hop. Quoi? Depuis quand je suis la cible à abattre? Oh waouh. Ok. 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 Hey, je suis désarmé. Je vais vous dire pas de ça dans la cour du resto, s'il vous plaît. Merde, j'ai fait. Oh, Axel. Bon. Je veux 5 bouteilles d'eau. Ouais. Merde, j'ai une commande, moi. Et est-ce que j'ai encore à manger? Et 3 burgers au bacon. Une commande, moi. Bacon veggie. Pas en menu, hein, je vais bacon. Ouais. Coucou. Ça va? Bof, hein. Ah. Je me suis fait mal en moto D tout à l'heure. Ah oui, non, mais il y en a beaucoup. Je me suis éclaté contre un poteau, ça fait très mal. Aïe, aïe, j'ai aïe. Volé de l'autre côté de Forum Drive. Ah mais déjà, voilà, oui, Forum en plus. Hein. Bah oui, en fait, c'était sur. Comment ça s'appelle Carson. C'était sur Carson Avenue. C'était dans le croisement entre Strawberry Avenue et Carson Avenue. Ok. Et je me suis pris un poteau à côté du tram. Et là, mon. Petit buddy, il a volé contre une maison de Farm Drive. Voilà, mon petit buddy. Oh, vraiment... oh no. J'étais vraiment en mode oh no. Mauvais plan. Really not good vibe, not good bye. No, no good vibe, no. No good, no good, no no. No, no, no good, no good. Mais je trouve plus le lien du calculateur. Ah merde. Il veut pas. Oh pardon.
Attention, attention, attention. Merci. Tiens, un burger. Oui. Et les bouteilles d'eau. Super, combien je te dois? Alors, ça nous fait... Ah, Wesel, on va prendre que l'eau. Et enfin, Ben, il verra avec vous, je pense. Et ils vont acheter que des tickets. Et comme ça, nous, on viendra chercher nos trucs. Voilà. Ben, on remplit plus le frigo, quoi. Oui, ben, c'est trop qu'on mange trop. Allô, Eddy ? Allô ? Comment ça va, Eddy ? Ça va super, et toi, Jeff ? Ça va, ça va, ça va. Eh, hey, dis-moi ! Ouais ? Bah, si tu dis moi, je tape. Ah non, mais non. Je rigole, je rigole. J'ai vu, t'as ouvert une association avec ta sœur. J'ai effectivement ouvert une association avec ma sœur, oui. Comment on fait pour devenir adhérent? Alors c'est très simple. Il faut m'envoyer un virement de 1 500 $ qui serait renouvelé tous les mois parce que c'est mensuel. Et après je t'envoie le lien du bisous. Le lien de l'intranet et voilà. Bisous. Okay. Je t'envoie 1 500 $ et tu m'envoies un lien bisous. Voilà. Quelqu'un m'accompagne à la CB. Intéressant. Est-ce que il y a des sorties motoneige de prévu du coup? On va peut-être faire ça. On va peut-être faire ça. Et bah tu sais quoi? Est-ce que c'est forcément un virement ou je peux te le donner en main propre? Non, tu peux me le donner en main propre. Allez bah passe au taxi, je te donne ça. Bah attends là, je passe un petit peu plus tard, ça te va? Je t'envoie un message. Tu es en courant. Ok, à tout à l'heure. Parce que c'est vrai que j'aime bien la moto. Oui. Et que j'ai plus de moto. Et d'accord. Que j'ai une motoneige. D'accord. Je commence à monter. Qu'il y a peut-être moyen que j'en rachète une. Je vais chercher mon sac, okay. Puis je monte dans la porte. Mais pour l'instant, je sais pas encore. Ah oui. Que ça va être. Mais bon, tant qu'il y a la motoneige pour l'instant, voilà. Ouais, je vais voir avec Mandy pour ça. Eh merde. Bon bah attends, il faut que j'aille au pénis. Ok. Je viens d'éclater ma pub de mon taxi. On a rien besoin de prendre au marché. Oui. Ouais, non, c'est bon. Mon garagiste Jésus, il va la remettre. Ok, ok. Ouais, si t'as besoin après de main d'œuvre parce que je peux pas, le faire de moto, je pourrais donner des coups de main. Ok, ok, bah c'est sympa de proposer. J'en parle à Mandy puis je te redis tout ça. Pour la comptabilité, tout ça, je peux faire s'il faut. Ah, ok, ok. Parce que j'adore la comptabilité. Voilà. Ok, ok, je te redis tout ça. Ça marche, pas de soucis. Ben, à tout à l'heure. À tout à l'heure, à plus. Salut. Ok, ok. Pétard, qu'est-ce que... Fédéral ou pas? Bah, faut que j'aille faire une livraison au Bénise. Eh ben, fais ta livraison au Bénise et puis... Voilà. Je sais même pas si j'ai demandé comment il va, le Zalar. Comment s'est passé sa petite journée? Ouah! Wow! Ça glisse bien! Le petit Fat Gio là! C'est super. Oui, oui. Wouah!
passé? Ça va? Ça va? C'est qui? Faut appeler le médecin. Oh la vache. Oh non, bah attends déjà. Oh, les jeunesses. Ouais. Ça va? Ouais, ça va, ça va, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh bah je t'ai dit, non. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, il dit, y'a rien de drôle, t'as dû te faire mal. C'est nerveux, je pense que c'est nerveux. Ah oui, c'est nerveux. J'appelle le médecin? Non, non, ça va, ça va. Non, oh la vache. Ouh, waouh. Hein, parce que je voulais vous impressionner en faisant une roue arrière en klaxonnant. Oh non. Et en fait, j'avais oublié qu'il y avait le top case et du coup, ça a frotté et bam, je suis tombé. Bah et ça va, j'allais pas vite, heureusement, parce que... C'est d'un gris sur la neige, forcément, tu vas glisser et des... Bah ouais, ouais, mais j'avais oublié qu'il y avait le top case et du coup, ça a frotté et ça m'a... Bah ça va mieux quand même, ça va. Ouais, ça va, bah ouais, ça va, parce que du coup, je suis pas vraiment tombé, je me suis juste posé sur le top case et après, j'ai glissé. Bon. Plus de peur que de mal, du coup. Oui, voilà, c'est ça, ça m'a surpris, quoi, c'est... D'accord. Bon, bah, ok. Tu as besoin de quelque chose? Eh ben, du coup, peut-être d'une petite répa. D'accord, je m'en occupe. Et du coup, j'ai la commande, ouais. Ok. Pétard. Heureusement que je l'avais pas mise dans le top case, parce que... Oui, alors, oui, la commande, évidemment, évidemment. Alors, 50 veggies. Go, trop bien. Et. Allez, 50 bacon. Ah. Ah merde. Attends, j'arrive. Bon, la vache. Bah, ça va tranquillou, bonne journée. Et toi? Ah, bah, ça va super. Écoute, moi j'ai fait un petit peu de montage, j'ai essayé de commencer un peu le best-of Lethal Company. Voilà, tranquillement. Et j'ai fait l'intro, j'ai fait un petit test pour l'intro. Et puis après, j'ai joué à The Isle, parce que ça marche apparemment, donc c'était très très cool. En tout cas, tant mieux, je t'ai passé une petite journée tranquillou, là, vu que ça faisait quelques jours, c'était pas top. C'est ok, bon. Et hop. Bacon. Merci. De rien. Voilà. Je fais la facture ou comment on fait? Ouais, vas-y, fais-la moi et... Voilà, okay. Tout neuf. Attends, merci Ezekiel. Ouais. C'est combien? Tu veux que je te dise combien c'est avant de la faire? Non, non, vas-y, fais-la, fais-la. Ok. Oh, c'est bon, je peux la régler. Je me note ça. Merci. On est bien d'accord. C'est bien pour le bénis, on est d'accord. Oui, oui. Ok. Je me suis noté quelle. Hop là. Pétain. Ouh. Que d'émotion. Putain, avec ces conneries, j'ai l'impression que ça fait 3 jours que je bosse et je rentre pas une thune, je suis toujours au même point. Mais comment ça, quelle connerie? Bah avec la motoneige, les perfs, machin, puis là la commande, bah je bouge pas, je stagne. Ah oui, depuis 3 jours. Moi, depuis hier, j'ai perdu pas mal d'argent. Non, j'ai pas bossé assez, là. Putain. Je voulais faire la livraison en motoneige, et puis je me suis dit que Delia allait pas vouloir, parce que c'était pas un truc officiel, alors j'ai pris le fait de jouer. Oh, ça va, t'es orange. Ouais, mais... Oh, bah tiens, en parlant de Delia. Ah, allô. Ouais, c'est moi. Alors, je t'avoue, j'ai rien compris. C'est pas vrai, c'est pas Eddie. Quoi, ce... Ah. Ok, de quoi? Comment ça? Bah, t'as été faire une livraison au Bénise, là, c'est ça? Bah, en fait, c'est pendant que j'étais au Bénise avant de prendre mon service, Alex m'a dit je peux te passer une commande, et comme c'était que 50 burgers veggie et 50 burgers carnivores, je lui ai dit que j'allais la faire en fadio. Ok. Voilà. D'accord, oui, ok. D'accord. Alors, voilà. Bah, du coup, faut noter que le Bénise a récupéré sa commande. Ah oui, mince. Faut cocher le. Oui, oui. Oui, oui. C'est dans commande? Non, dans c'est dans. Pointage d'entreprise. Oui. Mais pardon, désolé. Ah, c'est parce que du coup, je sais pas. Non, mais t'inquiète, c'est parce que. Ouais. Ok, ça marche. Je t'avoue que je comprenais rien du tout. Mais, oui, non, oui, ça m'a fait, pardon. Ouais. Ah, du coup, on est arrivé à la fédé. Ok. Et voilà, on revient tout à l'heure. Ok, ok, ça marche. Allez. Qu'est-ce que.
Oh, mais j'ai pas vu qu'il y avait du tuning. Oh, trop bien, trop bien. Tu danses? Bah ouais. C'est pas comme ça qu'on danse, et ouais, dit. Ouais, là, tu fais des squats. Non, c'est vrai que c'est comme ça qu'on danse. Ouais. Pistache, caramel, pistache. Café, pistache. C'est le meilleur goût, la pistache. Attends, moi aussi, ça me donne envie de danser. Ah bah ouais, ouais, faut profiter. Ici, c'est super. Oh bah, ils ont arrêté. Merci. Bon bah, j'ai toujours le mauvais timing, moi. Ah ouais, non, mais c'était compliqué, là. Bon oui, non, mais tant pis. Sinon, comment tu vas, toi, quoi, de neuf? Bah, écoute, pas grand-chose, hein. D'accord. Bon, j'ai un client. Ah oui, vas-y, ouais, vas-y. C'est bien que tu sois content, quoi, t'es... Bah oui. Ouais. J'ai peut-être... Tenez pas ça aussi. Oui, 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 oui. J'ai passé 4 jours avec une grosse migraine week-end dernier, début de semaine. C'est pas trop la forme. Ah ouais, tu m'étonnes. Migraine, c'est insupportable. De toute façon, dès que c'est une douleur interne, t'as l'impression que tu pourrais faire quelque chose. Et genre c'est chiant parce que tu sais quand t'as une douleur vraiment physique à l'extérieur du corps, genre quand, enfin à l'extérieur du corps, je veux dire si tu te pètes un bras ou quoi, bon voilà c'est à l'intérieur du corps mais ça se répercute à l'extérieur aussi, tu vois ce que je veux dire, mais genre si tu te foules la cheville, si tu te coupes, si machin, moi mon cerveau il est en mode ouais bah ouais je peux pas faire, si j'ai une migraine, que j'ai un rhume, que j'ai voilà que je suis malade ou quoi machin, et que du coup c'est juste vraiment interne, je suis vraiment en mode mais j'aimerais faire quelque chose là, j'aimerais bouger, j'aimerais aller jouer, j'aimerais faire un truc et je peux pas parce que ça fait juste pas trop mal. Migraine et tout. Et du coup c'est insupportable les douleurs internes comme ça. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, je sais pas si c'était très clair. Zouin, 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 zouin. Pipouli, poupi, poupilou. Mais bon, c'est passé. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec de la neige. J'ai passé quelques heures chez mes parents ce matin, puis stream démo, donc bonne journée. Ah bah, let's go! Mais pareil, je me suis réveillé, il y avait un peu de neige. Bon, là, il doit plus rester grand-chose, à mon avis, mais c'est déjà ça, quoi. Puis c'est ça, et genre, c'est tellement dur de te distraire avec une migraine. Avec Désolé, non, c'est ma faute. Bon, bah, direction le Bénise. Allez, hop, demi-tour, troubadour. Oh, la soirée est lunaire, ça me fait rire. Mais oui, du coup, ouais, quand t'as une migraine ou quoi, t'as envie de regarder une vidéo, un film ou un truc pour te distraire, tu peux pas parce que t'as juste trop mal à la tête. Quoi. Du coup, faut juste dormir, faut boire beaucoup d'eau et dormir. À la limite, peut-être des TikTok, parce que c'est un moins gros écran, mais encore. Oh pétard. Et oui, par contre, quand j'ai cabré, comme Francis, dans le Bénise, je m'attendais pas à ce que ça cabre autant, parce que pour moi, j'avais déjà commencé à avancer, et quand tu roules déjà, il cabre moins que quand tu roules... Quand tu cabres en départ, en partant, tu vois. Et en fait, j'avais oublié que j'avais pas pris beaucoup de vitesse, donc du coup, j'ai trop cabré, et bam. Du coup, ça m'a vraiment surpris. J'ai vraiment piqué un petit fou rire. Point, 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 point. Ah, tu mets un petit coup de frein à main. Enfin, de frein, parce que ça, il n'y a pas vraiment de frein à main sur voilà. Je mets un petit coup de frein et ça dérape tout de suite, hein, les Faggio, là, sur la neige. Oui. Oh là, oui, ça dérape peut-être un peu trop. Oui. Voilà. Et ok. Oui, pourquoi? Bonne réparation. Oui, s'il te plaît. Eh ben allez. Je me dis que ça m'aide pas mal pour les migraines, mais bon, là c'est mais je sais, je lui ai dit qu'il travaillait pas ici.
que ça persiste sur plusieurs jours. Quel enfer. Ah ouais. Non, sur plusieurs jours, c'est vraiment dur à encaisser une migraine à ce point. Allez, monsieur, sortez de là. Monsieur, c'est pas le Club Med. Allez, ici, hein. Allez, par là la sortie, ça dégage. Allez. Allez, monsieur, on y met du sien, s'il vous plaît. Je sais qu'il fait froid, mais faut s'acheter des pantalons. Allez. Oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être investir dans lui. Allez, monsieur, allez, on y est presque. Allez, vous pouvez le faire. Allez, un petit mètre. Ouais. Allez. C'est super, monsieur. Oui, passez la bosse si vous voulez. Mais... Voilà, c'est super. Tu peux tenter de lui balancer une boule de neige? Non, peut-être pas, hein, ça se fait pas. Non, c'est qu'il est en chemise, donc... ouais. Ah non, il va rester Keblo sur le parking. Comment ça, rester Keblo? Mais y a pas d'issue, là-bas. C'est vrai. Il va revenir. Il est bête. Bah, j'aimerais pas qu'on lui roule dessus sans faire exprès, tu vois. Oui, sûr. C'est un peu con. Mais Yann, il est pas là. Attends, je vais voir. Oui. Le bully à coup de boule de neige, monsieur. Ah, quand même. C'est tout bon. Et merci bien. Eh ben, un plaisir. Je vais m'occuper de notre employé qui est pas employé du coup. Ah oui. Et voilà. Des bisous. Bonne soirée. Allez, hop, je peux rentrer maintenant. Allez, dis un petit bobo à l'œil, tiens. Ah ouais? Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est... Je me demande bien ce qui s'est passé là. J'adore comment Alex a même pas réagi au fait que tu sois revenu au bout de 2 minutes. Et je pense qu'elle a même pas vu que je suis parti en fait, parce qu'elle était en train de faire une custo à l'intérieur. Elle était en train de faire une custo... Ah bah non, c'était Ezekiel. Mais elle était où Parce que Alex, quand moi je suis parti, je la voyais plus, elle était où? Donc ça se trouve, elle a même pas fait gaffe hein, que je suis parti. Là pour elle, j'étais juste là quoi. J'avais juste pas bougé. C'est con la mécanique de GTA parce que là je roule, je vais à 80, ouais à peu près 100. Si je me mets en roue arrière, je vais aller plus vite. Hop là, 120. Hop. Tu passes pas par la droite, le pilote américain Eddie Evans. Miaou. Je suis dégoûté, ce soir Briquette de lait, Emma n'est pas là. J'aurais trouvé mais qu'elle soit là ce soir, ça aurait été trop drôle. Ça pourrait aller un anniversaire là, ça dégoûte. Non, je sais plus si elle avait un anniversaire ou si elle mangeait des sushis ou je sais plus quoi. Là. Pipou, pipou, pipou. Enfin bref, elle est allée dehors quoi, genre. Ils ont pris le même temps à faire l'aller-retour à la Fédé que toi à livrer le Bénise. Oh, arrête, c'est déprimant. Après, moi, techniquement, j'ai fait 2 livraisons au Bénise. Ah, j'ai fait l'équivalent de livraison, quoi. Zouin, wali, point, oui, point, point. Waouh, waouh. Yeeeeee!
pas neigé là, tiens. Tiens, y a pas. Y a pas neigé là. Là, il neige pas ici. Les gens qui sortent le samedi soir. Non, mais c'est dégoûtant. Ça dégoûte. Ils sont pas revenus ? Oui, 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 oui. Ils sont pas revenus ? Et vous êtes pas revenus ? T'as dit quoi ? Vous êtes reparti ? On prend du chocolat à la suite. Ah, ok, ok. Comme si on était encore en 2015, what the fuck. Non mais ça dégoûte, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Non, en fait, on a menti, on est parti faire chasse au cadeau. Oh les tricheurs pendant le service. Des branleurs, de toute façon, on a que ça à faire. C'est oui, pardon, j'avais oublié. Ah ouais, oui, comme c'est des branleurs. Faut pas qu'ils voient que moi je branle rien. Là. Moi je travaille, moi. Bah, je vais au moins en refaire 50 déjà. Donc il nous faut est-ce qu'il y a du fromage, pain, pop, salade, saucisson, tomate. Ouais, mais par contre, les traces de boules de neige, elles s'en vont pas même avec la langette. Hein. Il y a des petites. Oh, regardez! OMG, il y a les petites... Oh, c'est super. J'ai pas de place, la vie de maman. Est-ce que si j'en enlève 5 de chaque... Ça me fera assez de place? Putain. Encore 5? Let's go. Révolution de l'or. Pétard. Après, j'aimerais bien... Ouais. Là, c'est une bonne lancée. Faut pas s'arrêter. Hop, ensuite, on change les menus, la manière de faire les choses, et puis on est bon. Oh, putain. Mais putain, je mélange... Ah, je mélange tous les trucs. J'ai mélangé toutes les touches. La cuisine fait 6 mètres carrés, mais on a des icônes en... Et toc, j'allais dire en toc. Mm-hmm.
Attendez, mais il y a un... Petit biscuit. Biscuit sapin, sucre d'orge. Mais non, la vie de ma mère. Ne t'inquiète pas, une place, bizarrement, je sens qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont se rameuter. Et après, avec le bouche à oreille... On peut faire des petits biscuits, des sucres d'orge. Yo. Yo. Petite question. Oui. Zimzamzoom. Oui, Zimzamzoom. On peut commencer à faire des petits biscuits, tout ça, là, ou pas du tout, oui. Là. Oui, on peut commencer, mais on ne les vend pas avant d'avoir fait la flash. Oui. Ah, ok, ok, ok. Donc j'en fais combien? Et du coup, tu as vu le message que je viens de mettre ou pas sur l'intranet? Bien sûr, évidemment. Non, oui, non, non, mais je viens tout juste de le mettre, donc du coup, je me demande si c'était pour ça que tu l'avais, l'avais vu. Bah, du coup, je pense que tu peux en faire 100 de chaque. Ouais, combien t'as dit? 100 de chaque. Ouais. Oui, $20 l'unité. Limité à 10 par personne par jour. Ah ouais, ça fait... Ah oui, parce qu'il y en a plus de sortes. Bah, il y a 3, donc ils peuvent en prendre 30 en tout, quoi. Oui, oui. Et puis, quand même, c'est... Oui. C'est déjà, bon, c'est déjà pas mal. Attention. Et du coup, je pense que je vais faire aussi un décompte pour Ford. Je vais mettre sur l'intranet, je vais faire quand Ford vient chercher sa commande. Oui, ouais, il faut faire une alerte, parce que... Ouais. Oui, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Bah Ford a gagné le... D'accord, il a gagné quoi? Bah les 20% de commandes chez nous, une fois par jour, dans la limite de $1000. Mais connaissant le loustique, il serait bien capable de venir une fois, de revenir... Oh, putain. Ouais. Ok, ok, ok. Donc on a 10 cents chaque? Ouais. Allez. Zim, zam, zim, zam, zim, zam. Alors, petit biscuit, chocolat, farine. Zim, zam, zim, zam, zim, zam, zim. Chocolat et farine font les bons amis. Chocolat et farine font les bons amis. Il n'y a pas de rond de Saint-Nicolas, ça dégoûte. C'est quoi les ronds de Saint-Nicolas? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que les ronds de Saint-Nicolas? Me laisse pas dans le flou, me laisse pas dans le flou, Zala. C'est quoi les ronds de Saint-Nicolas? C'est une métaphore pour dire c'est coucougnette ou ça veut, ou ça n'a aucun rapport? Chocolat et farine font les bons amis.
Ok, pardon, j'étais absent, fallait que je réponde à un truc. Ok. Que je peux en faire directement sans. J'ai pas regardé la recette. Ça va être toutes les mêmes recettes, on parie. Ah non, farine fraise. Oh, je suis mauvaise langue. Oh, je peux en faire 100 d'un coup. Ah, mais j'aurais pas beaucoup de place pour les stocker. C'est une pâtisserie dans le nord, c'est une galette d'amande avec un peu de rhum et un glace. Ça m'a dégoûté, pardon. J'aime pas trop les amandes et j'aime pas l'alcool, donc ok. Mais ok. Ceci dit, ça m'étonne pas que ça vienne du nord. Les ronds de Saint-Nicolas. Ouais. Le nom est pas attirant, hein. La papa, la papa, pâtisserie. J'ai déjà oublié comment ça s'appelle. Non. Biscuit, ça prend, putain. Popi paviro piro pap, popi paviro. Sucre d'orge, citron farine, papi pavira. Bah, le biscuit est rond et a la lettre N dessinée vu que c'est Saint-Nicolas, ok. Sans un esprit déplacé et douteux, c'est un nom normal. Non mais sans dire que c'était... C'est pas pour ça que je disais ça, mais je dis le nom est pas vendeur en mode... tu me dis, oh t'as mangé des ronds de Saint-Nicolas ? Ah, déjà c'est long à dire pour moi, qui suis dyslexique, c'est pas simple. Et genre... c'est pas, je trouve pas ça attirant comme nom de nourriture, tu vois, des ronds de Saint-Nicolas. C'était pas par rapport mal placé ou quoi. C'est vraiment en mode... je trouve pas ça très vendeur pour une bouffe, quoi. Je sais pas, ça me choque pas. Après, dans le nord, la moitié des plats ont des noms flamands bizarres, donc il n'y a rien qui me surprend. Ok. Je
je te laisse t'occuper des friandises et moi je fais les salades de fruits. Ouais, bah j'ai fini là. Ah, bah tu peux m'aider à faire des salades de fruits alors. Range. Oui. T'as dit un truc. Oh. Oui, non, mais je dis les ingrédients. Ah oui, ok. J'ai dit fraise, pomme, orange. J'ai dit sur un petit rythme en diablé. Oui. Je t'entends vraiment pas très bien, je sais pas pourquoi. T'as dit. Attends. Tu as envoyé le message. Ouais, j'ai envoyé le message et là je vais être en pause. Tu vas ? En pause. Ah, ah ok, oh. Putain. Ouais, quoi ? Ah bon ? À ce moment-là, tu m'entends pas ? Ouais, ok, là, ça va. Là, ça va ? Oui, oui. Ah oui, là on t'entend bien là. Oui, oui. Ouais. Merci. Par contre, ne pas aimer les amandes, bref. Ça dépend dans quoi, ça dépend dans quelles circonstances, ça dépend, voilà. Mais j'ai pas dit j'aime pas, j'ai dit je suis pas fan. C'est pas pareil, hein. C'est quoi que ça va ? Je viens juste de rentrer du resto avec ma famille. Salut Captain Koro, ça va super et toi ? C'est bien passé ? Les restos là ? Let's go, ça passé une bonne soirée là. Let's go, le petit resto là, le petit resto. Bah nous aussi on y est, tu vois, au resto. Et du coup, tu vas prendre une motoneige toi ou pas ? Aucune idée. Oula, pardon. Peut-être. Faut que je vois justement, j'ai pas réfléchi. Mais c'est pas un truc que t'attendais avec impatience, c'est pas un truc qui te... Bah non, bah, je sais pas, on a eu un décret genre, qui hier, avant-hier. Ouais, ah ouais, mais ça m'a... Waouh. Bah, je sais pas. Ah, c'est comme les vélos électriques, il y en a plein qu'on m'a acheté. Oui. Pardon. Bah, j'ai jamais testé. Ah ouais. Il faut que je retrouve le mien, mais... Hey. Je sais pas où il est. Mais si ça se trouve, il est toujours à la fourrière, en fait. Allez, vérifier. Yep. Bah ouais. J'espère qu'il n'y a pas de frais pour me l'avoir... Pour, parce que ça c'est un moment qu'il est là. Hein. Ouais. J'avoue, je sais pas, je crois pas, mais... Ouais. J'espère. Pardon. Oui, t'inquiète. Mmh.
Le programme de ce soir, on a fait... bah, là, on a déjà fait quelques livraisons et tout ça, et on a acheté notre motoneige. Parce qu'il y a de la neige, ça y est, et on a des motoneiges même. Et ouais. Du coup, ouais. On a acheté notre motoneige, tout ça. Et puis là, j'ai commencé à bosser il n'y a pas si longtemps. Donc, on fait les petites salades de fruits. On refait un peu les stocks. Et après, on ira peut-être on ira voir où j'ai laissé mon vélo électrique. Parce que ça fait plusieurs semaines que je ne sais pas où il est. J'abuse peut-être avec le plusieurs semaines. Quoique. Tu te rappelles de la date de... par rapport au... de la pendaison de crémaillère de Luna ou pas? Attends. Je sais plus, je sais qu'elle m'avait envoyé un message, mais je pense... Ah ouais, non, je sais pas. j'ai plus sur mon tel. C'est celle où elle avait envoyé... Attends, c'était pour son anniversaire ou pour son... pour sa pendaison de crémaillère? La pendaison de crémaillère. Non, ça remonte pas assez loin. Ma couleur de conversation remonte plus assez loin. Bah oui, c'est ça. Pareil. Oh non ! C'est quand ça fait plus de 3 semaines, les messages s'effacent. Ouais, bon, bah ça fait plus de 3 semaines alors. Qu'elle a envoyé le. Ah oui. L'espèce de. C'est pas en faire part, le machin. L'invitation. Ouais. Écoute. Le petit faire part de pendaison de crémaillère. Ah bah, t'en fais combien, là? 50. Si on a plus de 500, c'est mieux. Ok, ok. Pardon. Il y a de la neige, déjà. Ouais, il y a de la neige dans GTA. J'ai repris le RP sur Arma 3, et il n'y a pas la neige encore. Pétard! J'aimerais bien essayer de tester un jour Arma. Je sais pas si ce serait mon délire. Parce que c'est quand même vachement plus RP. Enfin, plus RP, après, c'est... Il y a plus de guerre et de rapport à la violence et tout ça, mais c'est plus, quand même un peu plus RP, je trouve. Pas si, ouais. J'aime bien le côté arcade, quand même, de GTA. Mais à voir. En vrai, Daisy est un peu plus... Ouais, mais j'aimerais beaucoup faire un truc sur Daisy et tout, mais déjà faut acheter le jeu. Et puis seul, flemme. J'aimerais bien faire avec quelqu'un, mais les bulots, ça les tentera pas. Et puis bon, de toute façon là, pour l'instant, je suis encore sur GTRP et tout ça, donc c'est vraiment pas tout de suite non plus quoi. Ou pardon. C'est vraiment pas tout de suite que j'ai envie de tester d'autres trucs RP, mais. Il n'y a plus beaucoup de serveurs whitelist, c'est que public maintenant et je fais partie des rebelles. Ok. Et en plus, sans whitelist, c'est un peu... Ouais. Un peu la merde.
Soin. Ah, l'alarme. Ah, ouais. Je me dépêche. Non, non, c'est juste que je me suis trop approché, c'est tout. Hein. Ouais, ouais. Là, pour faire un peu des stocks. Là, y avait les... Je suis en train de faire les burgers végés. Mais les, okay. Les salades de fruits, ça devrait être bon. Ok, 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 ok. Je crois qu'il y a des burgers à refaire. Burgers à l'esprit. Tu me disais, il n'y a plus la recette des burgers et tout, si j'étais dans les desserts. Effectivement, ça marche moins bien. Après, bon, il n'y a pas de loi qui dit qu'on ne peut pas prendre un petit burger en dessert. Hein. Bah oui, puis pendant un moment, on voulait faire des trucs en trompe-l'œil, genre des burgers, mais en fait, c'est sucré. Et pareil pour la pizza, tu sais. Ah ouais. Ouais, c'était une idée qu'on avait. Ouais, genre du pain, en fait, c'est du pain brioché. En fait, c'est de la brioche, puis ah ouais. L'intérieur, c'est... Ouais. La personne que je suis depuis longtemps sur Twitch stream quasi exclusivement du Daisy, il vit des aventures incroyables, c'est tellement bien à regarder. Ah ouais, non, après j'en doute pas, j'avais regardé tard l'époque Wanky Studio sur Daisy, tout ça. Ça avait l'air bien. Et puis encore, c'était même pas complètement du RP non plus. Moi j'adore le RP légal, des fois je fais quand même du RP légal. Ouais, faut varier un peu le plaisir. Juste de manière immersive, mais pas sur des serveurs à proprement dit RP. Ah ok, ouais, il se fait son propre RP à lui un peu quoi. Il essaie d'interagir de manière RP avec d'autres gens, quoi. Là, je refais des pizzas VG. Je veux bien que tu refasses du pain, s'il te plaît, parce qu'il y en a beaucoup. Ok. Et bonsoir. Et bonsoir. Ouais, bonsoir. Qu'est-ce qu'il vous fallait? N'importe, quelque chose à manger, à boire. En 2-3 portions, si possible. Et ça vous, est-ce que vous voyez si je vous mets. Vous êtes végétarien ou pas? Non, peu importe. Je vous mets 3 burgers et vous voulez de l'eau? Ou du jus de fruits ou des softs? De l'eau. De l'eau? Allez, je vous apporte ça. Je me dépêche. Oui, t'inquiète. C'est bien vidé le resto si vous faites les stocks. Bah ouais, là on a eu quelques grosses commandes et puis on a eu pas mal de clients ces derniers jours quand même. Donc ça s'est bien vidé. Piriri poupa pom, pom pom. Et je suis de retour. Et heureux. Ouais. Ah bah tiens, et bien mettre pain. Ok. Ouais. Hop. Attends, tiens, je te donne la farine que j'avais sur moi alors, parce que... Vas-y. Hop là. Ok, nickel. Ouais, je peux aller. Alors. On avait donc dit... Les 3 burgers. Et les 3 bouteilles d'eau. Voilà, et, okay. Et la petite facture. Hop là. Voilà. Et bah merci beaucoup. Ouais, allez, on fait ça. Oui, d'accord. Oui, on fait ça, oui. Bizarre, oui.
bizarre celui-là. Tu peux... Ah, tu peux récupérer des trucs dans le frigo si tu veux. Là, je suis juste en train de regarder. Pourquoi tu dis qu'il est bizarre? Mais parce que déjà, je lui demande ce qu'il voulait. Il me dit bah, n'importe quoi à manger et à boire. Je lui dis d'accord, bah, ça vous va si je vous mets des burgers et de l'eau? Il me dit ouais, parfait. Donc je vais chercher ses burgers et son eau, je le ramène. Je lui donne la facture. Il paye, je lui dis eh, merci beaucoup. Et il me fait ouais, on fait ça. Et il s'en va. Très, très cryptique. Ah oui, cryptique, oui. Ah ouais, ouais. Ça, ça m'a... Ouais. Ouais, un peu, genre de type sur la Pentecôte, quoi. Oui, voilà. Oui. Aïe. La Pentecôte descendante, même. Ah bah, pire descendante. Ah ouais. Il a dit, allez, on fait ça au lieu de merci. Allez. Ah, il y a quelqu'un d'autre. Ça tombe tout en occupé. Je faut que je passe comment. Et bonsoir. Oui, bonsoir. Ça, oui, ça va? Et oui, bah, ça va super. Et toi? Ça va, merci, merci. Occupé, mais je prends le temps de passer quand même. Ah oui, oui, ça fait plaisir. Tu voulais quelque chose à manger quand même? Mais écoute, je voulais surtout voir ta boss, mais si t'as un petit plateau de sushis par là, je te le prends avec plaisir. Allez, allez, bah, je te ramène ça. Hein. Merci. Bah, vous êtes flash habituel. Je sais pas, ils ont pu dire oui, non, merde, quelque chose. Oui. C'est Angel, elle voulait te parler. En plus de commander. Ok. Bah, ouais. Il n'y a pas de soucis. Axel, il faudrait que tu viennes aussi quand tu pourras. Hop. Ah oui, alors, Eddie, oui, t'avais un petit quelque chose à me donner. Bah, yo. Hop. Oui. Alors, attends. Ouais. Passer les trucs. Merci. Hop. Je te dois combien? Du coup, je réfléchis. Ça fait 23$. Allez, parfait. Et merci. Hop. Voilà. Merci beaucoup, Eddie. Oui, ben du coup, je me voici devant vous pour qu'on fasse la petite réunion qu'on s'était prévue depuis un petit moment. Ouais. Désolé pour le petit. Angel, échange de tenue 3 fois par soir, c'est pas possible. Bon, non, en vrai. Là, c'est parce qu'il fait froid, elle a mis son blouson. Oh, c'est le A. C'est le A. Elle a mis le blouson. T'y as mis le blouson. Écoute, on veut des gossips. Bon, c'est une réunion par rapport au resto, hein, c'est pas des gossips, sinon je serais resté écouter. C'est une réunion professionnelle. Hein. Ce n'est pas intéressant. Ils ont parlé chiffres, ils ont parlé je sais pas quoi. Là. Que là, elle est venue en tant qu'Angel de la mairie, pas en tant qu'Angel. Angel, attention, attention. À ne pas s'y méprendre, à ne pas s'y méprendre. Ah mince, bah écoute, juste pour embêter Angel. Je passe une petite oreille en mode... Bah, je vais refaire du pain dans le doute encore. Pas combien je suis censé en faire, mais... Il n'y a pas écrit quelque part où on est censé... Combien on est censé faire... de pain. Le pain. Pain. Le pain. Pain. Le pain. Pardon. Pardon, c'est trop my bad en fait. Pain. Le pain. Pain. C'est le pain. C'est le pain. Pardon, je suis désolé. Non, il l'a mis. Je sais pas où c'est. Que c'est écrit combien que j'en fais, moi. Merci pour le leurre, le sniper fou.
50 ou 100, va leur demander sinon. Non, mais... Allez, je passe en 7 plis, je suis éclaté, bon RP. Merci beaucoup d'être passé à l'arbre, bon 7 plis, bonne nuit. Mon petit frère est mort de rire, car tu dis pas... Oui, mais c'est gravé dans mon cerveau. Pain ! Le pain ! Pain ! Pain. Ça me fait rire. Je sais pas pourquoi, j'adore dire le mot pain. Farine. Zbim bam boum bili bala bam 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 pain. Pain. J'arrête. Même moi, ça m'a saoulé, là. Allez, on se fait un bon pain maison, là. Un bon pain. Bon pain. J'arrête. J'ai dit j'arrêtais. Si j'ai dit j'arrête, c'est que j'arrête. Pain ! C'était la dernière fois. Voilà. Pétard. Pétard. Michel, c'est le Brésil. Pour vendre les Velux, il danse la samba. Non, Michel, c'est le Brésil. Pour vendre les Velux. Il va de ville en ville pour vendre les fenêtres. Michel, c'est le Brésil pour vendre les Velux. Michel, c'est le Brésil. Non, c'est... Michel, c'est le Brésil. Michel, c'est le Brésil. Michel, c'est le Brésil. Pour vendre les fenêtres. Michel, c'est le Brésil. Pour vendre les fenêtres. Attends, quoi, c'est un ange. Michel, c'est le Brésil. Pour vendre les fenêtres. Pour vendre les vélos. Oh, je sais plus. Je viens de faire un air, je me rappelle plus. Maintenant, j'arrête pas de dire pétard, car Nabro fait que de le dire. Il me l'a mis dans la tête. Ah bah ouais, non, mais ça, c'est notre petit truc. Au début... Ça vient de la première fois qu'on a commencé à faire du RP avec Briquette de lait. Je sais plus si c'est elle ou si c'est moi, mais nos persos ont commencé à dire beaucoup pétard. Et depuis, elle et moi, on n'a pas arrêté de le dire IRL aussi. Et du coup, on a refilé le tic à Nabro, puis à Nalari. Et maintenant, tous les gens qui nous regardent, tous les gens qu'on côtoie, tous les gens qu'on côtoie en RP ou machin, bah, tout le monde se met à dire pétard, quoi. En même temps, c'est bien parce que ça évite de dire putain. Comme ça, t'es pas vulgaire pour rien tout le temps. Tu dis « Oh, pétard !»« Oh, pétard !» Et je trouve qu'il a plus de sonorité, tu vois, que « putain ». « Putain », c'est bien quand t'es vraiment énervé, tu vois. « Oh, putain !» Tu vois, quand t'es vraiment énervé, « putain », c'est fort. Et des fois, t'as pas besoin que ce soit fort, ce que tu véhicules. « Oh, pétard !» Et surtout, en plus, quand tu veux le dire pour des situations drôles, genre quelqu'un se casse la gueule, « Oh, pétard !» Tu vois, tu peux mieux le rythmer que « putain », je trouve. Voilà, je vends le mot pétard, donc... Je sais pas ce que je dois faire, là. Là, je... Ouais. Non, mais on est bien, là. on est bien. Michel, c'est le Brésil. Michel, c'est le Brésil. Michel, c'est le Brésil. Pain 245, je sais pas combien je vais en faire. Mais merde, ils sont partis. Okay. Voilà. Pain, 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 pain. Il reste combien de farine? Peut-être qu'il faut que je fasse en fonction de ça. Et ben je refais 79 pains. Voilà. Comme ça fait 1400 farines tout pile. J'ai ici mon RP maintenant. Ah bah ouais. Non. C'est contagieux, hein, cette histoire de pétard, là.
Oh putain. Michel, c'est le Brésil. Michel, c'est le Brésil. Michel, c'est le Brésil. Il danse la samba. Il va de ville en ville pour vendre les fenêtres. Michel, c'est le Brésil. Pour vendre les Velux. Tu vas faire le tour de la map pour retrouver ton vélo. Je vais aller voir à la fourrière. En vrai de vrai. En espérant qu'il y soit. Et sinon, il va falloir que je fasse le tour de la map, ouais. Ça, c'est... Ouais, malheureusement, c'est une certitude. Alors que je fasse le tour de la ville, ouais. D'ailleurs, je pense que je vais dire que je prends une petite pause et je vais aller... je vais appeler un taxi pour... pour voir tout ça. Comme ça, en plus, en prenant un taxi, ça me fera participer au concours... Enfin, au calendrier de l'Avent. Et peut-être que je pourrais gagner les 2000 balles au Bénise. Après, bon, 2000 balles. Après, c'est toujours bien de les gagner, ceci dit. Michel, es Brasilia. Michel, es Brasilia. Ouais, 18 000, là, on n'est pas bien là. Allez, on like les petites photos. Hop, le saviez-vous? Vous pouvez acheter directement. Oui, je le savais. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le truc du vignoble. Ah non, mais elle est où? Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est qui ça? Inari? Je sais pas qui c'est. Ah mais si, c'est Ayan. Je crois que c'est Ayan. Ayan Tsumi, je crois. Ça c'est moi. Merde, en fait j'étais mute. Je crois que j'étais... Je sais pas depuis combien de temps je suis mute, mais ouais, je vais essayer d'aller chercher mon vélo, là. Allô, radio. Oui. Est-ce que je peux prendre une petite pause, vite fait? Oui, vas-y, prends ta pause, t'inquiète. Merci. Ok, on va chercher le vélo là. C'est maintenant, mesdames et messieurs, c'est la mission vélo. Oh la vache. Ok, oh là. Oui, salut. Salut. Bah, j'allais appeler un taxi, justement. Nickel. Moi, j'ai besoin d'aller à l'or, mais vous êtes en pause. Non, mais viens, je peux te servir. Parce que j'ai pris ma pause pour aller appeler un taxi, justement, alors. Et bon, on va faire d'une pierre deux coups. Ça, voilà, bah oui. Est-ce que, par tout hasard, t'es au courant si le gagnant d'hier vous a contacté? Non, je suis pas au courant, non. Mais de toute façon, il y a Deli et Axel. Après, ils sont en réunion, là, donc je sais pas s'ils pourront te répondre, mais... Parce que, ouais, ça fait... On a laissé un délai de 5 jours, donc si vous ne contactez pas dans les 5 jours, je vous donne le nom du deuxième gagnant. Ok. Ouais. J'ai besoin de gâteau fromage, ouais. Ah oui, la petite commande, là. Oui, tout à fait, oui. Bon, vu que vous êtes en pause, j'ai pas osé venir. Ah oui, non, bah oui, mais... Voilà, c'est parce que je partais en pause et qu'ils sont en réunion, quoi.
Et bonsoir. Alors, hop. Bonsoir. Hop, je t'amène ça. Poupi poupi papi poupi poupi. Hop. Il toque. Hop, du coup, je te donne un ticket resto. Ouais. Et merci. Voilà. Bah, tu peux même en donner deux techniquement. Sauf si tu veux. Bah non, non, un seul. Toujours un seul, moi. Ah oui, ok, ok. Et du coup, la petite facture. T'as un petit cocard, là. Ouais, c'est parce que j'ai eu un petit accident tout à l'heure. Et merci bien. Ouais, j'ai un petit accident de motoneige. Accident bête. Ouais. Allez. Allons-y du coup, je suis là. Et oui. Ok, hop. Bon bah du coup, je prends ma pause. Ah. L'agent d'entreprise. Bonne fin de série. Non, non, je prends juste ma pause. Ah pardon, j'avais pas compris. Elle est de la mairie, c'est Angel, c'est ça? Oui. Enfin décidé à passer dans les entreprises. Pour bah, je sais pas, pour leur campagne peut-être, non? Ah non, non, là je crois que c'était une réunion qui était prévue depuis un moment, mais ils avaient pas pu s'arranger, je sais pas quoi, j'ai pas compris. Ok. Enfin, une des choses, c'est d'avant de sortir un programme, c'est d'aller voir les entreprises, savoir ce qu'elles ont besoin, non? Oui, normalement, oui. Ah bah... Elles l'ont pas fait. De toute façon, c'est toutes les, toutes les campagnes sont un peu bâclées là, hein, je trouve. Hein. Ouais, sauf que Dylan, il a pris la peine de venir au taxi et que bah, Jade, elle est pas venue. Ah ouais, quoi. Ah ouais. Et moi, attends. Moi, j'ai l'impression que moi, si Jade, enfin, sans vouloir être méchant avec ta cousine, hein, oui, non, bon. Si leur liste ça passe, moi, j'ai l'impression de me faire enculer en fait derrière. Ah bon, pourquoi qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu. Peut-être parce qu'ils ont dit qu'ils vont essayer de mettre en place un système pour les nouveaux arrivants, comme quoi pour leur louer un véhicule sans permis ou un scooter. Ah donc, oui, c'est sûr. Donc, si passe. En fait, je te dépose où? À la fourrière, s'il te plaît. Ça marche. Mais du coup, si leur liste elle passe, bah moi je peux me faire niquer derrière. Bah, c'est sûr que ça fait. Oui. Des clients en moins. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est chiant. C'est sûr. Mes collègues. Et du coup voilà. Ah, encore comme cet après-midi ou hier, je sais plus. Mais tu pourras pas t'inscrire. Oui, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ouais, du coup moi ça m'intéresse de. Je te donnerai les sous. Ok, ok. Ça va être super, ça va être super. Ouais, moi ça m'intéresse. J'aime bien les motos. Et après si vous avez besoin de quelqu'un, comme je te dis, pour gérer la compta. Pas de soucis. Ouais, ouais. Bah là pour l'instant on a ce qu'il faut, mais si jamais, j'hésiterai pas. Hein. Ça marche. J'hésiterai pas. Moi je suis chef compta chez Taxi. Ah oui. Ouais, en plus d'être patron, je gère beaucoup plus la compta et j'essaie de former Logan à la comptabilité. Ah ouais. Bah, sur la relève. Coup, même s'il faut, moi après je peux vous former derrière, tu vois. Ah oui, aussi, oui. Et voilà. En tout cas, je veux bien être votre premier adhérent. Si je suis premier. Alors là, c'est loupé. Oh merde. C'est loupé. Bah, le premier adhérent donateur. C'est-à-dire bah, j'adhère et je fais une petite donation. Ah, ça, tu. Alors là, ça, c'est le premier, ça, ouais. On verra. Pour l'instant, il faut d'abord que je fasse des sous pour financer mon anniversaire. Ah bah oui, c'est sûr que oui. J'ai oublié de regarder le nombre de kilométrages qu'il y avait. Ah. Bah attends, depuis le resto, tu mets le point à l'inverse. Il y en a pour 2 km. Bon déjà, t'es sûr que ta voiture elle est là? Ou ton locomotion? Non. Bah, va regarder déjà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hop.
Tout. Allez, ça peut être que là, ça peut être que là. Oui. Ok, c'est bon. Allez, je te fais la facture. Vas-y. Alors, il y en a pour $250. Eh ben, let's go. Bah, je peux rien te proposer, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Attends, hein. j'ai peut-être. Ah bah non, j'ai rien. Mais en fait, j'ai pas le plein, pourquoi ? Parce que je suis plein de journaux et de... Ah oui ! Bon, c'est pas grave, hein, t'inquiète. Hein. Du coup, bah, j'y repenserai, je te redonnerai le double la prochaine fois. Ouais, je vais pas racketter non plus, attention. Bah, hein. C'est pas racketter. Ok. Alors, j'enlève ça. Oh. Voilà. Okay. Je te donnerai sous plus tard. Ouais, y'a pas de problème. Pas sur moi. Non, y'a pas de problème. On fait comme ça. Allez, à plus tard. Allez, bonne soirée. Allez, la bise. Oh, j'avais jamais vu que ça tournait en même temps que moi le truc. Tourne en même temps que ma vision. Vous n'avez pas assez d'argent sur vous. C'est-à-dire. C'est-à-dire, j'ai pas assez d'argent sur moi là. Oh, la banque la plus proche. Ah non, il y a là. Ici. Oh merde. Oh Emma, c'est pas la peine de te foutre de ma gueule. Emma. Bon, et bah, on y va alors. Tout ça pour un vélo. Hein. J'arrive sur ça, exceptionnel. Allez. Putain. C'est pas simple, frère. C'est pas simple. Ça va, Ren? Ça va, MV? Ça se passe bien, ta petite soirée? Et du coup, les DI, ça marche. Tout marche bien, Navette. Bon, quand j'aurai une meilleure carte graphique, ça sera quand même mieux, parce qu'elle chauffera quand même moins. Mais là, elle monte pas dans des extrêmes ou quoi. C'est assez supportable, ça reste des températures acceptables, normalement. Donc, ça marche. Hein. Ça marche. On a passé... dès que j'ai raccroché avec toi, j'ai joué jusqu'à 19h30. Alors que je voulais commencer mon stream à 19h30. C'était trop bien. La nouvelle map est trop bien en plus pour les... Il y a les lacs et tout, ils sont trop bien. Donc on était en croco là, c'était trop cool. Pépé Shark. Ouais, c'est tout droit et après gauche. Et du coup, t'es rentré de ta soirée? On ne peut mieux, j'ai mangé sushi toute la soirée et toi? Bah moi j'ai mangé des gnocchis, les fameuses gnocchis avec le fromage à l'intérieur que tu dis « SS moi je passe en sauce » et qu'en fait si parce que c'est pas les mêmes gnocchis que voilà. D'ailleurs elles étaient périmées depuis le 23 novembre. Je les ai dégustées, elles étaient très bonnes. Et après on a regardé la vidéo de Seb le Fright, de Seb tout court. Vidéo quotidienne et puis là bah je joue en RP, il y a la neige et il y a les motoneiges et c'est trop bien et on peut faire des boules de neige. Viens monsieur. Il y a un petit chat sous la neige là-bas. Baby shark Baby shark. Mais je sais pas combien c'est. En fait moi. Portefeuille. Ah, après j'ai zéro, c'est sûr que j'avais pas assez. On va se prendre un 500 balles, écoutez. Oh, je suis pauvre, j'ai plus que 18 000, il n'y a plus rien. Ça. C'est la moto neige ça. Ça m'a tout pris. C'est quelle touche les boules de neige? Pour ramasser c'est virgule. Un point d'interrogation, enfin ouais. Du coup toi je sais pas quelle touche ce sera exactement. Mais ouais.
Mais dis-toi, c'est lunaire, hein, Emma. Hier, après le stream, je me suis reconnecté après la tempête pour jouer en RP. Enfin non, déjà même. Si ouais, je me suis reconnecté. Non mais attends, j'ai arrêté avant la tempête. J'ai arrêté, je crois, que c'était minuit. J'ai arrêté assez tôt. Bref, j'ai arrêté minuit et quelques. Je me suis reconnecté à une heure et quelques. J'ai discuté avec des gens qui étaient devant dans la résidence. Donc Axel, Alex, Chetone, tout ça. Bref. Donc trop bien déjà. À Week, tu sors, il y a des gens qui discutent, tu peux discuter avec eux. On discute jusqu'à ce que ce soit la tempête. Et là, on se dit, bah, vous revenez après la tempête et tout, machin. Puis du coup, on se dit, ouais, on revient après la tempête. La neige était arrivée. Du coup, on commence à sortir tous nos véhicules pour faire des drifts, machin, pour essayer si ça glisse bien. On teste nos motos, machin. Trop bien. On va au concesse pour voir s'il y a les motoneiges. Elles n'y étaient pas. On commence à faire des batailles de boules de neige sur le concesse. Sauf que moi, je connaissais pas la touche. Donc moi, je lance pas de boules de neige. Et sauf qu'il y avait un bug, vu que les boules de neige venaient d'être mises, il y avait un bug. Elle faisait mal. Genre, elle faisait vraiment mal. Je suis tombé dans le coma. Et le deuxième coma d'Eddie, c'est à 2h et quelques du mat sur le parking du concesse. Parce que Chéton et Alex l'ont rafalé de boules de neige. Du coup, j'ai des screens où je suis en coma à cause des boules de neige. Et il y avait Freddy aussi. C'est hilarant. Du coup, ils m'ont réanimé eux-mêmes. C'est Chéton qui m'a réanimé parce qu'il a des droits, je pense. Parce que Chéton, c'est un des devs. Et que vu qu'il n'y avait plus personne, qui m'a réanimé vite fait. Puis vu que c'était pas un vrai gros coma, c'était juste des boules de neige, et voilà, c'était un bug, je pense que c'est pour ça qu'il s'est permis. Pas un coma en mode j'avais fait une vraie chute. Du coup, c'était hilarant. Et après, on s'est retrouvé avec. Bah après, il y a Axel qui est venu, machin, là. Et du coup, après, on a fait des balades en 4x4 dans les montagnes enneigées et tout. Et on est resté. Je crois qu'on est resté jusqu'à 4h du mat. Oh la vache! Et regarde, Mars, c'est un VTT, hein. Et j'ai demandé bah, justement à Alex, Chéton et tout ça, et c'est bien des VTT, hein. Ça va bien sur les chemins, hein. Alors Mandy, elle va bien arrêter de dire du caca tout le temps. Hein. Par contre, le coup de boost avec la neige, ça... Laisse Mandy tranquille. Non, je vais la choper par le callback. Par contre, pourquoi ça sprint pas, moi, quand j'appuie sur Mage, là? Pourquoi ça sprint pas de fou? Quand j'appuie sur... Oh, merde, je passe à forum. Putain. Oh non, je vais me faire braquer. Je vais me faire pointer avec un flingue par Mistral alors que je suis à vélo. Ça tourne mal. Attends, mais il y a plus de véhicules de Mistral. Ils sont partis, Mistral. Ils ont changé de quartier. Et ouais, du coup, moi j'ai acheté une motoneige alors qu'en fait tu peux en louer là-bas vers le Bénin. Je savais pas qu'on pouvait en louer, mais au début je l'ai acheté directement. Ouah! She's doing her best. Non, mais oui. En fait, ce que j'aime bien, c'est que à chaque fois que Mandy dit un truc à Eddie en mode ah bah moi on m'a dit que. Et à chaque fois, c'est faux. Tout ce qu'on lui dit, c'est faux. Genre, c'est. Ah bah ouais, mais moi on m'a dit que si, on m'a dit que ça, les vélos c'est pas des VTT, machin, Ezekiel, tu sais lui, peut-être qu'il a frappé des gens mais il se présente pas, ah bah en fait, tu sais qui c'est qui va se présenter, tout ce qu'elle dit c'est soit elle se contredit après, soit c'est faux, c'est hilarant, voilà, course poursuite en vélo. Yeah! Oh, j'ai presque cru que j'allais atteindre les 100 km/h. C'est le rat de laboratoire. Voir si elle va répéter la bêtise, je pense. Bah ouais, bah.
J'espère qu'elle répète qu'à Eddie, parce qu'au moins Eddie lui répète pas après, mais... Enfin, quoique. Eddie l'a peut-être un peu répété à des gens que Ezekiel allait se présenter, mais... Il a peut-être répété à une ou deux personnes. Mais des personnes de confiance, hein, attention. Hein. Mais par contre, ouais, je suis trop heureux d'habiter à Wick. Hein. En trois nuits à Wick, ça y est. J'en ai pas rêvé pour rien. Ouais, Emma. Pas de grands airs avec moi, s'il te plaît. Ne prends pas ces grands airs de Ouga Ouga avec moi. Oh, le petit chien! You take that back, bitch! Le petit chien! Deux modèles de chien dans le jeu. Merde, j'ai voulu activer la sonnette et en fait j'ai activé le boost. Je suis trop bait. Et par contre, vraiment, le fait que Eddie et Mandy soient voisins, genre d'appart. La coïncidence. C'est insane. Ça me ferait presque peur. Non mais... Tu sais qu'au début j'ai pensé... Au début j'ai cru que tu me faisais un prank. Quand t'as dit « Oh bah on est voisins, j'ai le 16 !» Quand t'as fait... Enfin, je sais plus exactement comme tu l'as dit. J'ai cru que tu te foutais de ma gueule. J'ai cru que non seulement Mandy se foutait de la gueule d'Eddie, mais que Emma se foutait de ma gueule à moi. Par contre, je vais pas aller au resto à pied, là, je suis en train de penser. Attendez, est-ce que c'est loin, là? Je vais pas aller au resto à pied, là. Allez, c'est pour Zalar qui est en 7 plis. Ah non, mais je vais pas ressortir un véhicule. C'est complètement con. En fait, je rappellerai bien un taxi, mais j'ai peur que ce soit encore Jeff. Je tombe que sur Jeff. J'aimerais bien que ce soit Dean ou je sais pas qui un coup, mais... Moi, j'oserais pas, Kevin. Non, non, non. C'est pour ça que je me suis dit, en vrai, non, c'est pas son genre. Hop, ça c'est pour Zalar qui en cette pli sort la Shinobi. J'espère qu'il s'est pas endormi parce qu'il va être dégoûté. Envie de visiter la ville. Là. Oh non, le Beniz est fermé. Comment ça, le Beniz est fermé? Il est 23h. Ouais, après, c'est vrai que le restaurant peut fermer à 23h. Mais c'est pas pareil un resto qu'un garage. Faut que je mette un klaxon hein, sur mes véhicules. Ça va pas aller là. Et du coup, Emma, je sais pas si t'es encore là, j'ai pensé, c'est Jeff qui m'a fait penser, mais on va dire que c'est moi. Non, enfin, je crois pas que c'est Jeff, je crois qu'on m'avait déjà parlé avant. On m'en avait déjà parlé hier, en fait. Mais faudrait qu'on fasse une sortie motoneige. Faudrait qu'on fasse des sorties motoneige, en fait. Là, vu qu'on est en plein dedans. Et que tout le monde en a, ou peut en louer. Et à la limite, selon le prix de la location, on peut peut-être en louer, nous, au nom, enfin, pour les gens, tu vois. Un appareil RP. Ouais, peut-être. C'est pas impossible. Et du coup, il y a ma moto neige là. Putain. Ah, je vais encore avoir des véhicules éparpillés partout. Putain, ça casse des... Je passe par la porte.
Eh ben, c'est parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à Eddie, c'est quand la première sortie moto, c'est quand, machin. Et Eddie, il fait, ouais, mais ça va bien, faut que j'en parle avec Mandy, mais c'est bientôt, là, la semaine prochaine ou semaine d'après, ça va arriver. J'ai aucune idée, moi. Parce que je me dis, pour la première, faut qu'on soit au moins les deux là, quand même. La première, c'est symbolique. On soit les deux là, je vais pas en faire une sans Mandy. Oh, c'est symbolique, ça. Je viens pas de manquer de me faire écraser, là. Bonne fin de stream, je vais dodo. Merci beaucoup, Captain Coro. Bonne nuit à toi. Merci d'être passé, ça fait très plaisir. J'ai mal au dessus. La chaise gaming, elle est bien, mais la mousse, elle s'estompe déjà un peu. Hein. Pas si longtemps que je l'ai, mais. C'est pas une chaise gaming, justement. C'est une chaise de confort. Mais... Après, je reste H24 dessus. Tous les jours, toute la journée, je dois rester. Je pense que je dois rester plus de 10 heures par jour sur ma chaise. C'est peut-être de là que viennent mes problèmes de santé. Jade, ça ? Nos gens en réunion, eux ? $13. Passons aussi. Ah oui, pardon. Qu'est-ce que bonsoir. Tu... Pipapo pari pirapep. Pipapo pari pirapep. Bonsoir. Ah, j'ai dit j'étais mute. Poupi 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 poupi. Pipoula papa papa pa, aïe 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 aïe. Alors aujourd'hui je vais vous chanter une composition originale. Aïe aïe aïe. Ça commence. Papilopi para pipopé aïe aïe aïe. Pira papi la pari papi aïe aïe aïe. C'est super. C'est génial. C'est super. Je pense qu'il faut le faire et se faire signer chez Nova Prod là. Ah ouais carrément. Ouais. On voit pas d'autre alternative. Hein. Pas proposer ça à Davy. Ouais, ça va être super. J'ai les 3 cementaires, oui c'est ça. Ah. Ouf. Et bonjour Eddy. Et bonsoir. Bonjour. Bonsoir, jour après. J'oublie l'adhésion ce soir pour la moto. Ah oui, c'est vrai. Bah, faut pas que j'oublie moi non plus, que vous oubliez pas. Exact. Si personne oublie, on est bien. Mais après, j'ai l'impression que je vous ai rappelé que vous avez oublié, qu'il fallait justement que vous évitiez d'oublier, que j'oublie et que vous oubliez. Ah non, du tout. Jamais j'aurais oublié qu'il fallait pas que j'oublie, que vous oubliez pas. D'accord, ok. Ah oui, ah non. Vous avez un job, mais bon. Oh, bah parfait, nous oublions pas. Si j'entends oublier encore une fois, je vais faire un. Oui, pardon, Deli. Oublie toutes tes histoires. Non, j'ai rien dit. Tu as du court terme, en plus. Super. Non. Oh, pétard. Tu veux un chocolat chaud? Non, merci. Bah, merci beaucoup. Petit biscuit. Ouais. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Ça me rentre dans le cul, là, la chaise. Ah ouais. Je vois Betty t'habiller tout en blanc en ce moment, et du coup, non, j'ai pas osé proposer. C'est de quoi, c'est qui? Oui, c'était pas c'est Ross.
c'est Monsieur oui, Ross. Oui, bah voilà, bah, y a Monsieur Ross qui s'habille comme ça, et il y a un autre mec de G6 qui s'habille tout en blanc tout le temps. Il y a plein de gens, il y a plein de gens qui s'habillent tout en blanc. Cette nuit, cette nuit, Freddy, il était habillé tout en blanc avant la tempête, c'était horrible. Mmh. Je voyais rien. Ah ouais. Il était éblouissant. Oui. Oh là là, ces gens qui s'habillent en blanc, je comprends pas. Heureusement, il y a eu un ovni qui est passé et qui a aspiré toute la lumière et la pluie. Enfin, la neige. Ah ouais. Ouais, juste avant la tempête. C'était trop bizarre. Chelou. Il y a eu un grand flash blanc. Après, il y a eu un rond blanc au sol qui a fait comme ça. Et dès qu'il est parti. Ça, non, parce que. Ah oui, c'est vrai. C'est qu'il a cherché des aliens. Hein. Ben oui, c'est vrai. Et le rond blanc, dès qu'il est entré en contact avec un bâtiment, bam, il n'y a plus de neige. C'est quand même, il s'est mis à pleuvoir. Et après, tempête, et bam, la neige avait tenu. Incroyable. J'ai plus le numéro d'Anna. Ah si. Comment ça, t'as plus son numéro? Non, non, si. Tout va bien. Et d'ailleurs, Doc, c'est pas trop galère de marcher sur cette putain de neige avec votre canne et tout, là? Un peu, mais maintenant, j'ai, on va dire, un support, donc ça aide pas mal. Un support, carrément? Ah ouais. Oui, j'ai ma nouvelle jambe, donc ça aide un peu. Ah ouais, ouais. Bon, ouais. Bon. Mais après, ma canne est équipée d'antidérapants. Ah ouais. Heureusement. Oui, oui, c'est une. Vous avez mis du sel dessus. Il y a des crampons. Elle a des crampes T. Mmh. Juste en dessous, là. Des crampes T, la canne? Ah ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. C'est le Weasel qui s'en occupe, ça aussi, comme les pneus neige? Ou non, ouais, je sais pas. Le Weasel? Le Weasel de Si vous voulez de neige, il faut aller au Weasel par contre. Pour les cannes, non. Ah. C'est fourni avec le. Avec. Ah oui, c'est un slap. Ah ok. Ouais. Oui. Je crois que c'était le Bélis qui s'occupait de ça. C'était... Ah non, pour les cannes, non. Même les, c'est les chaussures. Véhicules, mais... Même les chaussures antidérapantes, c'est eux qui s'en occupent. Ah putain, ah bon des trucs sur les semelles et tout. Hop. Ah ça, je ne savais pas. En tout cas, pour la canne, c'est pas le cas, non. Ça, c'est bien. Il s'en occupe. Déli. Moi, je vais prendre une fin de service parce que là, je commence à péter des câbles et c'est pas bon. Donc, voilà. Je vais courir. Ok. Ouais. Juste avant, dernière petite question. Si jamais on a des petites livraisons à faire comme j'avais à faire tout à l'heure au Bénise, est-ce qu'on peut les faire en motoneige ou pas? Je vais prendre une fin de service. Ah. Non, c'est vrai, je sais pas. Il y a les taxis qui demandent s'ils peuvent nous acheter des petits biscuits et autres trucs pour les distribuer à ceux qui font des courses pour les deux jours du marché de Noël. Et j'ai pas su quoi y répondre, j'en sais rien. Donc, genre, ils veulent nous en acheter. Et puis, tu sais, quand on fait les courses en taxi, ils donnent des trucs, genre des jus de fruits ou des machins. Ah, oui, ils voudraient faire ça pour les deux jours du marché de Noël, mais avec des trucs spéciaux de type les petits biscuits et autres friandises de Noël. Et je sais pas, parce que c'est chelou quand même. Enfin, bah non, c'est bien. Compliqué. Non, mais t'inquiète, il n'y a rien de compliqué. Ok, mais ils seront livrés la veille de ça, c'est tout. Et ça sera limité. Oui, bah oui, mais oui, bien sûr. Mais tranquille. Bah écoute, tu leur diras, parce que moi je. Ouais, allez. Vas-y. File. Va te reposer là. Pétard, elle file un mauvais coton, hein. Mais je lui ai déjà dit, Putain de... Après la livraison à la Fédé, je lui dis déjà de prendre... Depuis tout à l'heure, elle a envie de crapahuter dans la neige, là. Et je comprends pas pourquoi elle... Non, je travaille. Mais non. Mm-hmm. Ah. Bon. Bah, moi, je vais vous laisser, du coup. La bonne soirée à vous. Bonne soirée. Plus tard, du coup, Eddie. Ah oui. À plus tard. Il me fout. M'écoute pas et après, j'en ai marre, truc. Ben oui, fallait partir avant. Il y aurait pas eu de soucis. Oui, et puis, elle avait dit que elle prendrait, elle ferait un jour de travail, puis elle prendrait un jour. Enfin, elle avait dit. Bon, viens, on la bloque. On la bloque et on lui dit ses quatre vérités, ok? Je fuis. Non. Laissez-moi passer. Non. Tu vas nous écouter vite fait. Et après, tu vas moins travailler. C'est un ordre de la part de lui là. Parce que sinon on va te frapper. D'accord. Ok, on fera un match de boxe. Un coup de boule de neige. Vas-y. Allez, file. Et attention à la prochaine fois. Hein. Et si je te revois dans le magasin avant 3 jours, peut-être pas.
revois pendant les 3 prochaines semaines. Si je t'envoie poser un pied sur le plancher de ce resto avant les 3 prochaines années, ça va barder. Pourquoi hein. cette radio Ce mec s'énerve pour rien. Interdit de territoire pendant 3 ans. Et quand on te revoit pas pendant 3 ans, ouais. Sinon, ça va chier des bulles. Sinon, on brûle là où tu fais de la boxe. Ah oui, carrément. Ouais, non, pas... Tu vas peut-être aller un peu loin. Là. Ah ouais. Mais moi, faut pas hésiter à me dire, hein, parce que des fois, je m'emporte et puis après, voilà. Ouais. En vrai, je sais pas si on va pas fermer, d'ailleurs. Hein? Je sais pas si on va pas fermer, du coup. Je sais pas. Bon, en vrai. Le pro. Elle nous en empêche, hein. Le pro. On a qu'une vie, hein. J'ai rien compris ce soir. Putain, mais aussi, tu sais, ça, c'est de la faute de qui? Ça, c'est la faute de ta cousine, ça. Elle a commencé à vouloir parler de parts dans les sociétés. Oula. Et donc forcément, Deli, qui adore ce genre de truc, c'est paumé direct. Hein. Ouais, parce qu'apparemment, ils veulent mettre en place l'ouverture de capital des restos. C'est genre, ce que c'est. Ah putain, oui, putain, mais toi aussi, ouais, c'est vrai, bordel. Et oh, wow, en gros, wow. Non, mais en gros, là. Disons que, imagine-toi, le capital du resto, ouais. C'est Deli qui l'a à 100%. D'accord. Ok. Ouais. Disons que certaines personnes veulent faire une réforme pour qu'en fait, tout le monde puisse avoir accès au capital du restaurant. Que quelqu'un peut prendre 10% de la valeur du resto. D'accord. Et qu'il soit propriétaire à 10% du resto. Et nul. Ou 20, ou 30, ou 40. Bah, ça dépend. Bah, si n'importe qui peut être patron du resto, je suis pas sûr que c'est... Non, mais après, le patron, il garde plus de la moitié, tu vois. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il investisse, quoi. Ouais, mais moi, à chaque fois que j'ai entendu des histoires comme ça, c'était dans des histoires où après, ça a mal tourné. Ça a mal tourné. Après, c'est ce que j'ai dit... C'est ce que j'ai dit à Angel. J'ai dit, de toute façon, écoute-moi bien. À la limite, je trouve ça intéressant d'ouvrir le capital, tu vois, à des gens qui bossent au resto. Enfin, tu vois, des employés qui prennent des petites parties, tu vois, c'est bien, ça les motive, enfin bref. Et par contre, le mec, la meuf, essaye de venir récupérer des parts du resto et qui fait pas partie du resto, c'est bonne chance. Bah, puis surtout que si on ouvre les capitales des entreprises, qui dit que c'est pas les gangs qui vont commencer à acheter les parts du capital? Non, ils sont interdits. Ça sera interdit. Ah, ok, parce que j'étais en mode si après... T'as un casier, tu peux pas. Ah ouais, parce que j'étais en mode, voilà. Après, ça va partir dans des dérives. Ah oui, non, mais de toute façon... Se retrouver le restaurant floqué en jaune et noir ou en vert, là, ça va aussi. Hein. Ouais. Ouais, non, ouais. Je pense que ce jour-là, je serais parti. Hein. Ouais, bah, moi aussi. Mais non, de toute façon, oui, c'est... Tu pas... peut-être casier hein, dans ce genre de truc. Donc, non, mais on va avoir. Mais du coup, elle a parlé de ça. Alors là, Deli, elle est partie. ouais. La stratosphère. C'est... Et déjà, moi, j'ai entendu dire que les gens n'étaient pas contents parce qu'elles ont publié leur programme. Ouais. Sans demander ce qu'elles pouvaient apporter aux entreprises et tout ça, alors que Dylan, lui, l'a fait. Ouais, mais c'est pas grave, tu vois. Elle vient nous voir pour justement discuter. Ouais. Mais... Et bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il vous fallait ? J'aimerais vous prendre à manger, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, venez. Ouais, bien vu. Hein. Bien vu. Ah que ça fait faim avec ce froid, mais un peu quand même. Ah oui. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Je sais pas, qu'est-ce que vous avez? Oh pétard. On a de tout. On a, alors, oui. Tant que ça. Ah ouais. Alors, on a... Vous voulez commander... Une préférence sur l'italien, si jamais ça peut trier un peu ce que vous faites. Ah d'accord. Alors... Parce que vous voulez commander des, je veux dire un petit plat, l'unité ou comme ça, ou prendre un menu complet? On fait des menus aussi. Ça dépend, le menu c'est quoi? Alors ça dépend, on a plusieurs menus. Ah oui, non mais là vous ne mettez pas, vous le savez ça. Il y a un menu qui s'appelle le menu Petit Lord. J'ai l'impression que plus je dis ce que je veux, moins je sais ce que je veux. Bah non, mais alors oui, alors. Non mais je vois ce que vous voulez dire, c'est sûr. Mais par exemple, le menu Petit Lord, c'est... Ah non, du coup c'est pas sûr, c'est bien le problème. Oui non, c'est pas sûr. Mais alors, par exemple, le menu Petit Lord, c'est un burger ou une pizza, plus
plus un accompagnement type frites, bol de riz, tout ça, et une bouteille d'eau. Ah, du coup, ça peut être sympa. Et bah, du coup, vous avez une version italienne du menu ? Bah, on a des pizzas. C'est très cliché, ça, quand même. Bah, c'est pas italien, les pizzas ? Si, si, mais il n'y a pas que ça, quand même. Bah, ah oui, non, mais dans le menu, on donne que ça, c'est pour ça. Ah oui, non, d'accord. C'est burger ou pizza, mais après, non, si mais vous après, voulez quelque chose... Après, on a des pâtes, on a des gnocchi... Oui, voilà, on n'est pas obligé de prendre un menu, après, si vous voulez vraiment... Il y a peut-être un autre menu qui fait ce que j'aime. Enfin, vous aviez l'air de sous-entendre qu'il y en avait plein, c'est pour ça. Non, mais après, sur le genre de truc que vous voulez, vous serez jamais satisfait, quoi. Oui, non, dans les menus... Pas un menu spécial Italie, justement. Mais voilà, dans les menus, c'est vraiment burger ou pizza, voilà, mais... On mélange un peu de tout, en général. Okay. Mais du coup, si vous voulez spécialement de l'italien, je peux vous proposer nos plats italiens, bien sûr. Ah, ça, je prends. Ah oui. Alors, hop. Alors, en italien, on a... Et du coup, est-ce que c'est... C'est raciste de dire que les pâtes, c'est italien ou pas ? Non. Ça dépend comment elles sont faites. Ah oui. Alors, je suppose que... Ouais. Les pâtes bolognaises, c'est pas italien. Et comment ça, c'est la cuisson italien. Ah, la cuisson... Après, on a les pâtes au fromage. Le fromage, c'est de la mozzarella. Et du gorgonzola. Ça, c'est italien, là, ça. Ah oui, non, complètement. Ah. Parce que les pâtes bolognaises aussi, c'est italien, mais ça dépend de, de comment c'est fait. Ouais. C'est fait comment, elle ? Enfin, je veux dire, par rapport à l'italienneté. Bah, c'est du classique, hein, c'est des grosses boulettes de viande, hein. Avec une petite sauce tomate. Du coup, c'est pas de la viande hachée. Ah bah non. Non, c'est pas de la viande hachée, non. Ah mais peut-être que le monsieur demande si on fait nous-mêmes les boulettes avec de la viande hachée. Ouais, bah non. Ah d'accord. Bah du coup, ce qui sera le plus italien en pâtes, ce sera les pâtes au fromage. Après, on a les pâtes végétariennes aussi. Mais il y a pas... fromage, du coup, c'est les fromages que vous avez dit juste avant. C'est ça, mozzarella, fromage de chèvre, gorgonzola. Ouais, bah ça, je peux vous en prendre. Et au niveau des pizzas, vous avez quoi ? Au niveau des pizzas, on a la pizza végétarienne, la pizza mistral, avec de la mozzarella et du parmesan. Et de la pizza calzone à Gannes, où là, pour le coup, il y a jambon, parmesan, mozzarella, tomate, sauce tomate et huile d'olive. Eh bien, celle-là sera parfaite. D'accord. Donc, une pizza calzone à Gannes. Alors, je vais vous en prendre plusieurs, comme ça, ça pourra me tenir la soirée. Oui, allez-y. Vous me dites, je note. Je vais vous en prendre 5 de chaque, au moins, je serai tranquille. 5 de chaque, ok. Hop. Au niveau des boissons, vous avez quoi ? On a un peu de tout, on a du soda, on a... Oui, on a des softs, de l'eau, des jus de fruits. Même des milkshakes. Du thé, du chocolat café, chaud. Oui, on a du chocolat chaud. Je vais prendre chocolat chaud et café, alors, s'il vous plaît. D'accord. Combien ? 3 de chaque. Est-ce que vous avez du lait aussi ? Ah, je vois pas. On n'a pas de lait, hein. Alors, on a du lait, mais on s'en sert plus pour faire nos recettes, mais... Coco ! Si vous êtes gentil, on peut vous enfiler un peu, quoi. non, c'est juste pour mettre dans mes pâtes quand je les fais réchauffer, c'est meilleur avec un fond de lait. Oh, mais c'est pas bon. Okay. Je vais vous donner ce qu'il faut. Et parfait. Non, c'est pas Duncan, j'ai confondu. Ok. Hop. Du coup, hop. Ce sera tout ou il fallait un petit dessert, quelque chose ? Non, moi c'est tout. Ok. Eh ben, je vais vous chercher ça. Hop. Je vais m'occuper d'Ezekiel. Ouais. Zoom. On a dit. Il dit quoi déjà ? Ah oui,
dit quoi, quelle zone d'Agan Pâte au fromage. Trois chocolats chauds. Et du coup, prends une petite portion de lait pour le monsieur, tu lui donnes et puis voilà. Ok, ok. Attends, il avait dit chocolat chaud et quoi? Et café? Non. Et c'était trois chocolats chauds. Et... Ouais, trois cafés, je crois. Je sais plus. Ouais, je crois. Je sais plus. J'avoue que j'ai pas retenu. Oui, c'était du café. Hop. Et oui, du lait. Tu donnes autant de lait qu'il a pris de pâte ou pas? Non, tu donnes juste. Ok, il se démerde, hein, c'est bon. Oui, bon, je lui donne un truc de lait, quoi. Ouais. Ok, ok. Ouais, je suis jamais allé, mais. Précisément. Ok. Alors. On a donc dit. Hop. Les Calzonagan. Tenez. Non, merci. Ta femme gratte le cul, là. Oui. Les petites pâtes au fromage. Hop là, je prends. Le lait pour réchauffer les pâtes. Super. On avait dit également. Les trois chocolats chauds. Et c'était. Alors là, c'était trois cafés, c'est ça aussi? Alors... Trois cafés, c'est ça. Ouais. Et voilà. Et parfait, on est bon. Vous avez des tickets resto? Il y a les burgers. Non, ouais, j'aurais bien aimé, mais. D'accord. Alors, faites la lecture. J'aurais bien aimé commencer par avoir un travail déjà. Ah oui, ouais, c'est sûr. Jeu de pommes. C'est sûr que ça aide. Et ça, oui. Premier jeu, j'aimerais bien. Et voilà. Okay. Le petit kawa. Oui, c'est sûr que ça aide. Le petit kawa, il fait froid. C'est sûr. Hein. Peut-être que je vous fais ça. Et ça fera 515, s'il te plaît. Hop là, et on est bon. Et merci beaucoup. Apollo, c'est bon. Nickel, merci. C'est bon, merci à vous. Merci à toi. Sinon, comment ça va ici? Bon, ça va, hein, tranquille. Hein. Ok. Tranquille. Ah bah, super. Ah, d'ailleurs, pour la petite anecdote, les pâtes bolognaises, ça vient de Bologne. Du coup, c'est bien italien. Ah oui. Oui, du coup, c'est vrai que oui. Vu comme ça. Oui, d'accord. Ouais. C'est sûr. C'est... Je préfère avec la viande hachée. Oui, oui, d'accord. Bah, c'est bien. Hop, ok. Hop. Bah moi j'ai rien oublié donc je vais filer. Oui, bah allez-y. Bah, bonne soirée, soirée à vous. Bonne soirée. Merci à vous. Bisous. Bon, moi je reste un peu là pour me détendre, nous changer les idées. Hop. C'est qui qui dit je reste un peu là pour me détendre, me changer les idées? On allait fermer. Super, c'est super ça. Bim bam boum, bim bam boum, en fait c'est bon, j'avais sur moi. Et puis voilà quoi, sinon. Ça va aider? Bah ça va, tranquillement. Et toi? Ok. Ouais. C'est bien passé ce soir? Ouais, ça va. Bon là je disais à... C'est Axel, c'est ça. J'ai fermé parce que j'allais être tout seul. Je sentais le rush qui allait arriver, ça allait être pour moi tout seul. J'ai dit non. Oui, c'est moi, sûr. Ce que je comprends pas, c'est que quand je suis allé au bénis tout à l'heure, vous étiez plus un. Ouais, bah, Alex, elle a pris une fois de service. Bébert, il a pris une fois de service. Du coup, bah voilà. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Bah, quand je suis arrivé, vous étiez tous les trois, donc je me suis dit, ouais. Bah ouais, c'est pour ça. Bah, ils sont partis faire leur vie. Ils ont raison, il n'y a pas que le travail dans la vie. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est ce qu'on se tue à dire à notre patronne. Bah ouais. Bah ouais, c'est Delilah, la patronne. Ouais. Ouais, elle travaille beaucoup. Ouais, on l'a viré du resto. Quoi? C'est vrai? Bah oui. Bah ouais. Puis de mais force, hein. Ouais, mais non. Moi, la pauvre. On l'a mis devant la porte et hop, un gros coup de pied au cul. Et bam, on l'a balancé dans la neige, là. Mais c'est quoi ça? C'est quoi... Vous aviez une vraie raison. Et après, on l'a jeté des boules de neige. Parce qu'elle travaille trop et que ça nous énerve. Et après elle dit oui, je suis fatigué. Du coup, mais... on lui a dit, maintenant, tu prends une fin de service.
Et tu vas tes occupations. Hop. Mais vous pouvez pas virer comme ça quelqu'un pour cette raison. Mais c'est une injustice. Non mais juste pour la soirée. Ah, pour... On l'a pas viré définitivement. Non, oui, on l'a viré du resto physiquement, pas. Ezekiel, on peut pas la virer. Hein. S'il y a bien une personne qui peut virer ce qu'elle veut, c'est elle. Hein. C'est pas nous. Vous croyez que vous étiez légués entre vous pour que vous disiez on l'a licencié. Ah non, on n'a pas fait une mutinerie. Non, non. Ah non, 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 non. Non, d'accord, d'accord. Ah non, juste pour la soirée. Non, ça aurait été Anna, la patronne. Je dis pas qu'il y aurait pas eu de mutinerie, mais là, Delilah, ça va. Hein. Oh bah. Comment ça? Pourquoi? Mais elle est gentille, Anna. Ah non, mais moi, je l'adore, elle est très gentille. Hein. Oui, elle est très gentille. Ouais. Mais non, mais de toute façon, ça sera pas. Non, mais d'accord, ok. D'accord. Le jour où elle devient patronne du resto, le resto ferme au bout de 2 semaines, je te le dis. Ah bon, mais pourquoi? Parce que je crois qu'elle a pas envie d'être patronne déjà. Oui, déjà. Ah bah ouais, non. Et puis, elle aime pas trop la compta, tout ça, donc ouais, c'est un peu compliqué si tu fais pas la compta. Oui, bah oui, je comprends. Vous avez vu un peu les programmes, là? Bah, moi j'ai pas vu, mais il y a une personne qui l'a exposé là en venant donc. Moi j'ai pas vu non plus. Et Angel qui est venu pour parler. Il y a Dylan et tout là, ils veulent privatiser l'hôpital. J'ai trouvé ça scandaleux. Moi je veux pas payer pour faire des soins. Hein. Ah ouais. Bah oui. Ouais, mais après, hein. J'ai parlé à Jeff qui est pas content parce que Jade et Angel elles veulent donner la possibilité aux gens de, enfin aux nouveaux arrivants de louer des voitures sans permis ou des scooters et du coup bah ça leur ferait perdre des clients. Ah bah oui, je comprends. Ah ouais. Ah ouais. Ouais bah ouais, c'est vrai ça. Bah faut lui dire hein, Angel et Jade, comme ça ils vont changer ça. Bah oui, je pense que oui. Ouais. Oui, ça je comprends, c'est vrai. On n'a pas parlé de ça, tiens. Effectivement, ce serait pas ouf pour les taxis, ouais. Non, c'est vrai, ça. J'avais pas pensé en voyant le programme. C'est vrai ce que tu dis. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle entre citoyens dans le peuple. Comme ça, on voit ce qui va, ce qui va pas. Et après, on le dit. C'est vrai. Ouais. Après, tu sais, le problème, c'est que... Trois programmes différents, il y a des choses qui vont te plaire à chaque fois dedans et d'autres pas, et c'est après comment tu fais ton choix quoi. Attends, comment ça trois programmes? Il n'y a pas trois candidatures? Ou j'ai raté un avis? Bah non, genre il peut plus se présenter. Oui, c'est vrai, c'est parti. Donc quoi, il y a deux programmes. Ah bah il y a deux programmes. Eh bah écoute, c'est encore plus simple. Ouais. Bah je sais pas. Moi je prendrais. D'habitude je vote pas, ça fait chier, mais là depuis que je suis patron je sais que ça peut impacter des trucs et ça fait chier. Ah bah oui, faut voter, c'est comme ça nous quoi, on a une voix, le peuple, c'est le par le vote. Pourquoi s'exprime? Ah ouais, mais moi d'habitude la politique ça m'emmerde, plus haut point. Ouais bah je peux comprendre parce qu'il y a beaucoup de parlotte et de paperasse, mais ah ouais. C'est ce qui détermine notre futur. Donc il n'y a pas trop le choix quoi. De toute façon, on a vu ce qu'elle m'a dit. Effectivement, je vais regarder ça avec attention. Pourquoi? T'as dit quoi? Bah, parler justement des quelques réformes qu'elle voulait mettre en place et... Ouais, il faut que je regarde un petit peu, quoi. Ouais. Parce que c'est des réformes, ouais, c'est pas des petites réformes, hein. Ah ouais, c'est des grosses réformes. J'avoue, le truc de l'hôpital, là, ouais. Ouais. Ça... ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais. C'est de fou, ouais. Ça. Ouais. Bon, je verrai. Mais après, le problème, c'est que franchement, il y a quasiment aucune chance que je vote pour Dylan. Hein. C'est hors de question. Ah oh ouais, pourquoi? Ah non, mais. Tu l'aimes pas? J'irai pas jusque-là parce que en soi, c'est pas un mauvais type. Ah oh, il est gentil. Mais c'est juste que j'ai pas confiance en ses capacités à tenir une diriger mairie, une ville. Ah ouais, d'accord. Vraiment ouais, pas. Vois. Quand j'ai. Tu sais, il a bossé ici pendant. Un mois ou deux, ouais. Enfin, bosser, du coup, non, il n'a pas bossé, il a flâné. Alors, s'il fait la même chose à la mairie, je pense qu'on va être très désagréablement surpris. Hein, comment ça, il a flâné, c'est-à-dire? Bon, il branlait pas grand-chose, quoi. Ah ouais, d'accord, ok, je vois, je... c'est pas un travailleur, ouais, ok. Il aurait pu devenir patron. Alors après, peut-être que ça a changé depuis, hein, je sais pas, ça fait un paquet de temps, mais... Ouais, mais il aurait pu devenir patron, ta gueule, toi. Comment ça? Chier. Bon, il dit non, il a...
Oh non, il fait de l'hypoglycémie. Non, ça va. Non, ça va, ça va, ça va. Ouais, non, il fait pas de l'hypoglycémie, mais je vais lui en faire faire, moi, si quand tu vas m'emmerder. Oh là. Ouais, Eddie, non, mais Eddie, il est sympa avec ses patrons, il les traite de branleurs toute la journée, mais tranquille. Oh non, Eddie, faut pas. Bon. Non, c'est pour éviter qu'ils prennent l'ascendant psychologique. Non, mais ça dépend des patrons, en vrai. Moi, Yon, il est sympa, il travaille et tout, donc j'ai pas de problème. Ah bah, nous aussi, ils sont sympas. Ouais, voilà. Mais il y a des patrons, c'est vrai qu'ils foutent rien, tu vois. Et c'est tous les employés qui font tout. Et après, ils prennent tout le crédit. Et dis, tu vas bouffer la neige, je te le dis, tu vas la bouffer la neige. Ouais, ça se mange pas de la neige. Non, rien, tu sais. Bah oui, je te l'ai dit, j'ai perdu connaissance cette nuit à cause de la neige. Ouais, bah, je peux te dire qu'il vaut mieux des fois perdre connaissance. Ah bon? Ouais. Ouais, parce que c'était un peu après la tempête, c'était la neige venait de bien adhérer. Du coup, on a fait une bataille de boules de neige, mais je crois qu'il y avait plus de gravier que de neige. Et du coup, quand on m'en a lancé trop, j'ai perdu connaissance. Oh mon Dieu, tu vois, c'est ce que j'ai dit, c'est dangereux parce que imagine, il y a quelqu'un, il cache une boule de pétanque dans la neige. Ah bah oui, non mais après, là c'est vraiment des intentions meurtrières. Ah oui, bah là, tu tombes par terre, t'as un traumatisme crânien, je te le dis. Ah bah oui, mais là du coup, le danger, c'est pas la neige, c'est les criminels et les psychopathes, du coup. Oui, non mais on est d'accord, mais tu sais jamais ce que ça cache la neige, c'est ça le message. Ah ouais. Ouais. C'est comme Anaïs Berg. C'est qui Anaïs? Non, Anaïs Berg. Anaïs Berg. Mais c'est qui ça? Anaïs pas, Berg, moi, comme le Titanic dit, il faut que tu suives un peu. Mais dans le Titanic, c'était Jack et Rose, il n'y avait pas d'Anaïs. Non, c'est le Titanic s'est écrasé contre Anaïs Berg. Et tu sais pas oui, ce que ça cache Anaïs Berg. D'accord, ça peut être oui, en-dessous, il y a plus qu'au-dessus. Non, et d'accord, la neige, j'ai. C'est pareil. Mais non, j'allais chercher dans mes contacts si j'avais une Anaïs Berg, ok. Mais non, tu payes ma tête et dis. Mais non, non, mais c'est parce que j'ai pas. Pardon. Tu sais, c'est une grosse journée. Hein. Non, il se paye pas ta tête là, je te dis. Oh lolo. Je fais exprès. Hein. Mais non, ça va aller. Ouais, ça va aller. Mais ouais. Mais putain, il y a Dylan qui arrête pas de me poser des questions cons là. Il pose des questions. Il me dit. Déjà au début, il me dit. J'ai une question pour ton assaut de moto. Si j'ai un quad, ça passe. Non, je lui dis, bah on en avait discuté. Alors c'est pas vrai, mais c'était pour être poli. On en a discuté, mais non, on va rester sur les motos. Bah ouais, par contre, on va faire des sorties en motoneige. Si ça peut, voilà. Ouais. Et il me dit, ok, je note. Et je lui dis, ouais, bah pas de souci. Et là, il me renvoie un message. Il me dit, ah si, j'ai une question. La moto 3 roues, la Raptor, ça compte ou pas? Bah c'est une pas... moto. C'est bah, juste c'est... la 3 roues. C'est pas vraiment une moto, la Raptor, si. Elle a un habitacle quad, et tout, non? Un quad, ça s'appelle un quad. Mais ça, si c'est une moto 3 roues, c'est une moto, même si elle a 3 roues. Eh, mais elle a un habitacle, elle a un siège, non? Ah, bah c'est un. Bah, c'est un caddie, alors je sais pas. Je vois même pas à quoi ça ressemble, ça. Et je crois que je vois, mais. Attends, faut juste. Oh! Pardon, je suis un peu fatigué, là. La neige, ça fatigue, hein. Ouais, bah oui, c'est le froid, ça fatigue. Bah oui, non, il m'a envoyé une photo. C'est pas, ça ressemble pas du tout à une moto. Ah oui, bon, bah, c'est pas une moto. Il y a, deux sièges, un volant, deux roues, un habitacle, des phares. Bah non, c'est une tétine alors. Ouais. Il est con lui aussi. Oui, des trucs comme ça, putain. J'en peux plus. Hein. Ah mais jamais, faut voter pour lui, hein, je vous le dis. Non, bah non. Moi, sur ce, bah, je vais aller balader un peu, je vous embête pas plus. Oh, bah t'inquiète, je vous embête pas. Hein. Ouais. Et bah, bonne soirée, et bon bonne courage. Soirée. Et bonne soirée. A plus. Ouais, bisous. Tu es bien Dylan ou pas, toi? Pas du tout. Ah, oh, putain. Pourquoi? C'est toujours une catastrophe. Ah ouais, à ce point-là? Bah, franchement, depuis que je suis au resto... Je les lirai haut la main, pire employé du resto, vraiment. Ah, quand même? Ah non, mais j'ai jamais vu. Toi, tu nous dis qu'on est des branleurs, mais lui, c'est le roi. Le roi des branleurs. Hein, le mec, déjà, il venait bosser grand max une heure. Ah oui. Grand max. Hein. Ah oui. Et bien sûr, pas tous les jours. Hein, donc, bon, voilà. Enfin, après, chacun fait ce qu'il peut, mais ok. Et pendant. L'heure ou la demi-heure où il était là, soit il était au téléphone, ouais.
Soit il nous voyait trimer comme des fils de pute et il bougeait pas dans son coin. Ah oui. Ou si tu lui demandais de l'aide, il soufflait. Ah oui, d'accord. Genre ça le faisait chier. C'est bizarre. Mais là, je pense qu'il a quand même dû un peu évoluer parce que. À l'hôpital, il a l'air vachement plus dévoué que ça quand même. Après, peut-être que ça lui plaît plus aussi. Il m'a fait un don du. Enfin, j'ai fait un don du sang avec lui la dernière fois. Effectivement. Ouais. Et... Mais bon, alors par contre, je lui ai dit, je crois que tu as battu le record du monde de prise de sang la plus longue. J'ai attendu, je sais pas, 20 minutes. Je sais pas ce qui branlait. 20 minutes. Il était en train de demander en radio si, comme c'était ma 20e, c'était mon 20e don du sang. S'il y avait un protocole genre des confettis, des trucs comme ça. Ah oui, d'accord. Après, ça vaut le coup de se renseigner, mais 20 minutes quand même. Attends, il y a Jeff qui m'appelle. Mais oui, t'as vu, c'est ridicule ce véhicule. C'est pas une moto. Oui, Jeff. C'est bordel, c'est pas une qu'est-ce, moto. Oui qu'est-ce, allô c'est juste pour te prévenir. Qu'est-ce que quoi? Je vais t'inscrire. M'inscrire à quoi? Au calendrier de l'avant. Ah bon? Mais je croyais que je n'étais pas inscrit. Bah oui, mais si. Mais en fait, on est le 2. Et le 2, c'est Bénis, c'est pas l'or. Ah bah oui! Oui, c'est vrai. Et du coup, je peux t'inscrire. Ah bah c'est super. Et du coup, bah, je vais t'inscrire. Ah bah merci. Et du coup, c'est 34-27 pour Eddy, s'il te plaît, Jean. Ah oui, c'est ça. Evans. Ah oui, c'est ça aussi. Voilà. Et c'est Eddy Evans. Et c'est toujours moi, c'est ça. Je parle à mon collègue qui est avec moi dans la voiture. Oui, je sais. Voilà. C'est bon, t'es inscrit, Eddy. Oh bah merci. Oh, c'est super. Voilà, allez, à plus tard. À plus tard. La bise. Ah, bah j'ai raccroché. Voilà. C'est génial. C'est pas Dylan, ça? Je sais pas. Ça me dit c'est Antoine, ça. Je crois. C'est qui, ça? Bonsoir. Et bonsoir. Et bonsoir. Vous allez bien? Ça va super et vous? Coucou, ça va, ça va. Salut. Bonsoir. Et... Alors attendez. Ça va? Alors. Bah oui, et toi? Bah oui, je suis un peu sur tous les fronts. Vas-y, je t'écoute. Mais... Je vais vous prendre. Ouais. 10 petits biscuits. 10 ah bah alors. Pain. Si on a fait l'annonce en avant là ou pas? Et 10 oui, sucres bon. D'orge. C'est bon, c'est ah, okay, bon. Ok, ok, ok. Ouais, 10 de chaque, quoi. Ouais. La limite de chaque. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. J'arrive. Faut que je prenne mon sac, en fait. Parce que sinon... Hop là. Ok, j'arrive. Bim. Bam. Boum. De chaque et 20 unités. Qu'il arrive la faire ailleurs, ces gros cons là, putain, et pas devant le resto, merde! De quoi? Ouais. La bataille de boule de neige tout à l'heure là, ça m'a cassé les couilles! De tout à l'heure, ah. De quand? Non, je dis juste que Axel il est aigri! Mais je suis pas aigri! Et je crois que c'est moi qui l'ai commencé la bataille de boule de neige de tout à l'heure! Quoi? Alors, ça en fait, c'est moi. Après, moi j'étais pas sur le. Moi j'étais sur la route, j'étais pas sur le truc du resto! Mais non, mais je parce crois que... c'est moi et que j'ai envoyé une boule à Albin. Et après, ça a dégénéré, je suis partie. Ah bah, parce que moi, j'ai envoyé une boule sur... Oui, comment il s'appelle sur Noah. À côté. Moi, j'ai envoyé une boule sur Noah, ouais. Parce que moi, je m'en fous, en dehors du resto, vous faites ce que vous voulez, vous balancez des boules de neige... Attention, biscuits qui volent. Ouais. Bon, j'arrive, je cherche les biscuits. Ouais. Moi aussi, j'en prends 10 de chaque, je te copie. Oh, let's go. Hop là. Let's go. Mais du coup, t'écris tes propres textes, 10 chocolats chauds aussi, j'ai pensé. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Antoine. Quoi? Allô? Quoi? J'avais demandé, est-ce que, après la facture, tu pourras m'ajouter 10 chocolats chauds, j'y pense. Après la facture? Ou même, enfin, genre, je sais pas, fais avec. Genre, ajoute les 10 chocolats chauds. Oui, mais attends, il est en train de faire la facture. Non, attends, il veut 10 chocolats chauds. Non, mais moi aussi, je veux 10 chocolats chauds.
Qu'est-ce que c'est que ce repas là, des biscuits, des burgers et du chocolat chaud, c'est quoi ce girl dinner là, Luna? Ça coûte combien? Tout ça. Attends, je te dis ça. 10 biscuits là. Je crois que j'ai dépiré l'or. OK. 5 bouteilles d'eau, 5 burgers en bacon. Ça coûte $800. Ah ouais, OK. Attends, je vais chercher. Vas-y, si je les donne dans ma voiture. Non, 5. Okay. Girl dinner. Ouais. J'ai froid, Eddie, j'ai froid, j'en ai ras le cul. Ah ouais, même avec ta doudoune et tout là. J'en peux plus. Et mais un bonnet, une écharpe, quelque chose, non? Non, je veux juste rentrer chez moi. Oui, après c'est sûr. Ce soleil là. Mais il y a pas de neige au Mexique. Oui. Ah oui, c'est sûr. J'ai envie d'être demain à la scène ouverte là. Pourquoi? Parce que je vais produire. Oh, je vais annuler ce que j'avais, je vais venir. Quoi, t'avais un truc, tu devais pas venir à scène ouverte? Ouais. C'est quoi? Voilà. J'en ai trois. C'est quoi que t'avais? Je suis choqué. Je suis choqué. J'ai pas le droit d'être choqué, ça te fait rire? Ah merci. Non, alors du tout. Attends, ne nous méprenons pas. Non. Choc barre de baiser là. Oh putain. Attention, facture! Dis-moi. Facture! Feu! Paf! Let's go! Alors, les burgers. Ouais. Bam! Les chocolats chauds. J'ai pas eu mes 10 chocolats chauds, attends. Ah, c'est vrai ça! On est insupportable, Antoine! Oui. Si, si, non, mais parce que je les ai, moi, c'est juste que je les ai pas donnés. Waouh, des biscuits en forme de sapin, ils sont trop beaux! Des biscuits! Oh, des biscuits! C'est ceux du papa pâtissier? Vous avez des biscuits? Ah oui, c'est ceux du papa pâtissier, oui. Oh là là! Allez. Je veux que Axel pendant les fêtes s'appelle pas pâtissier. Mais sauf que c'est pas moi qui ai fait ces gâteaux là. Oui, c'est moi. C'est qui? Moi qui ai. Tu vas t'appeler pas pâtissier? Qui a fait toutes les. Ah non. Bah lui c'est frère tissier. Frère rôtissier. Frère rôtissier, c'est lui. Hop. Allez. Bah non, parce que rôtissier ça fait quelqu'un qui fait rôtir. J'ai pas fait rôtir les biscuits. Frère pâtissier. Merci. T'as déjà vu ma nouvelle voiture? Oui. Mais elle est super. Axel, t'as vu ma nouvelle voiture? Je suis venu avec la voiture que je t'ai achetée. Pétard alors, Ah, mais je l'ai pas ici. Elle est très bien ta Dominator. Quoi, ta voiture? Ouais, j'ai. C'est une Golf. Ça glisse un peu, non, quand même? Golf. C'est une club. Glisse un peu, oui. Ça... Ah, une club. Ouais. Oh là là. Golf. Une clope. Une Golf. Une clope. Bonjour. Waouh. Bah, pousse pas ma soeur comme ça. Ouais, mais tu m'as poussé. Tu pousses ma soeur. Emilia. C'est ça, vous êtes où? T'es battu? Là, on est là. Vous êtes où? Et toi, t'es nous. Toi, t'es où? Mais moi, je suis quoi? Alors, Emilien, je... Et nous, on est au comptoir. Bah, nous aussi. Bah, moi aussi, je suis au comptoir. Descends de ce putain de comptoir. Bah, c'est pour peut-être qu'il... Merci. Il faut... Ressort du restaurant et re-rentre, peut-être. Ah bon? Vous êtes au comptoir, là? Ah là, moi, je suis pile en face de toi. Tu devrais relâcher la pression. Il est là. Axel, il est là. Vas-y, relâche la pression. Mais je vois personne. Il y a Luna. Ah ouais, je suis dans le vide intersidéral. Ressort du restaurant. Ouais, attends, c'est où la sortie? C'est par là. Et tu disais à celle par où? Je t'ai pas entendu. J'ai l'impression que tu t'es pris un oignon. Oui, moi aussi. Hein. Je t'entends toujours pas. J'ai l'impression que tu t'es pris un oignon. Oh non, j'ai fait des dingueries en motoneige. D'ailleurs, il est décédé. Ah ouais, ah bah super. Il est mort à 110 jours, alors j'ai dû appeler un taxi. Mais putain... Ouais, mais j'ai trouvé 3 cadeaux. Ouais. Mais j'espère que ça valait les 5000 balles d'une moto au neige. Bah écoute, bon, bah, après j'ai vu qu'on pouvait les louer. C'est pas grave. D'accord. Attends, peut-être si je fais ça... Vas-y, sors et rentre. Après... Je les vois là. Et ouais, wow. Ça a fait pareil pour Anna la dernière fois. Je vois. Et Emilien, tu le vois? Je vois. Ouais, t'as disparu. T'as retrouvé la vue, Albin? Oui, bah juste Emilien, elle a disparu. C'est le miracle de Noël. Il est réapparu là-bas. Et dis, on habite où? Ah oui. On a déménagé, ou pas encore? Bah oui, à moi oui, en tout cas. De retour. Et bah Emilien, t'es apparu là-bas et t'as de nouveau disparu. Comment ça, par le chat? Bah le chat il est encore là-bas. Mais comment ça c'est Wawik? Mais mais on y habite, comment ça c'est où? Ah t'as redisparu.
C'est en 71-44. Ah, je vois. Oui, bah, et ça voit. Non, mais Luna, c'est grave. T'as dormi là cette nuit, non? Mais Luna. Non. Je vois tes traces de pas, par contre. Mes traces de pas. Attends. Ça fait deux nuits, je dors pas à la neige. Terre, j'avais pas capté. Mais tu peux pas prévenir que... Pardon, pardon. Moi, je marche sur la pointe des pieds, je suis chaud. Ah ouais. Quand je dois aller dans le placard pour me changer, je regarde pas, je respire plus. Ce soir, je dors là, c'est bon. Respire plus, carrément. Mais comme ça, tu dors au resto. Là, je te vois, là. Hein? Ouais, c'est bon. Comment ça, tu dors au resto? J'ai dit, je dors pas à l'appart. J'ai pas dit, je dors au resto? Non, t'as dit, je dors là. Oui. Ah oui? Hein? Oui, t'as dit, ce soir, je dors là. T'as dit, ce soir, c'est le resto? Ah non, ce soir, je dors là-bas, à l'appart. Ouais, mais t'as dit, ce soir, je dors là. Non, mais. Y'a quelqu'un là? Là, y'a quelqu'un. J'ai froid, si, y'a quelqu'un. Je sens plus mes mains là. J'écris au ralenti sur mon téléphone. Oui, là. Elle est là. Oui, y'a Antoine. Oui, là, y'a quelqu'un. Ouais. Ah, bah Antoine, je le vois pas. Oh, il vient, tu clignotes. C'est dingue. Oh, vous clignotez tous les deux. Je clignote. C'est la magie de Noël. C'est pas dégueulasse. Ouais, bon, et tant pis, c'est pas grave, je vous imagine. Mais tu sais, la neige s'est polluée, on n'est pas censé la manger, hein. Mais je suis tombée du toit après. Je pense que c'est les vapeurs d'essence des motos de neige. Ouais. Donc on a cherché les cadeaux et moi je suis tombée du toit et Emilie a cassé sa moto neige. Mais une bonne petite soirée. Ouais. Du coup maintenant elle est dans le nord parce qu'elle est en panne, elle roule plus. Enfin elle moto neige plus. Elle moto neige plus. Ouais. Non mais le seul truc c'est pas. Est-ce que ça valait vraiment le coup que j'achète une motoneige? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on peut la revendre? Et on a qu'une vie, comme disent les jeunes. Oui, c'est vrai. Vous faites les gâteaux de Noël? Truc de Noël, là? Ah oui, oui. YOLO? C'est vrai. Wow. Oui, YOLO. Tous les jeunes, ouais. Ouais, tous les jeunes, ils disent ça, ouais. Tous. Sans exception. Ils disent tous YOLO. Quand ils se lèvent, ils font YOLO. YOLO. Quand ils se lèvent ou quand ils se lèvent? Parce que moi je crois que les. Ah ouais, même quand ils se lèvent le matin, le réveil sonne, hop, YOLO ouais, ils tirent comme ils ça. YOLO. Ah ouais. Et du coup, ils le disent aussi après avoir mangé une pizza ou pas? Pourquoi? Ouais. Ok. Ils disent YOLO tout le temps en fait. Dites-le après avoir. Dites-le avoir dit pizza. Oh, pizza YOLO. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Vraiment, tu vois, il y a des gens, c'est cigarette after sex, les jeunes, c'est YOLO after sex. Ah, YOLO after pizza. Et avant sexe aussi. Ah putain, j'avais oublié que le avant sexe, c'est un truc de jeune américain. Pendant... Je sais pas, Luna. C'est un truc d'américain, non? Non, je sais pas. YOLO. You live the one once. You live the one once. You live the one once. You know the law. What we need to do. You want to be do what you want to do. To be do. To be do. To be do. Do be do be do. Do be do be do. Da be do be do be da. Do be do be do. Do be do be do. Da be do be do do da. Do be do be do be do. Da la 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 la. 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 La 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 la. La Quoi de Scooby-Doo? Hop là. Ouais. J'ai une proposition à te faire. Vas-y. Tiens. Je suis tout oui. Ah, ok. Oh. Wow. Ah oui, c'est secret quand même. Ok. Tu veux que je danse pendant que tu chantes demain? Non. Ah. J'avais peur que ce soit ça. Ok. On fait un duo. Deux. Je sais pas. Sur... On fait un duo. De quoi? Je sais pas, un duo quoi. On se proclame en tant que duo quoi. Non mais on fait une chanson. Je sais pas chanter moi. On s'en bat les couilles, on fait genre le générique des rats. Oh ah ouais. C'est mais du coup, t'as, duo, du coup plus. Toi t'es plus qui Tu mesures combien? Ouais t'es Razmo toi. Ouais je suis un peu Razmo ouais. T'es rapide de ouf. Bah ouais. Mais du coup, faudrait qu'on s'habille comme eux, non? Genre, tu t'habilles en bleu et moi en rouge. Enfin, bleu et noir et moi rouge et noir. Ouais. On se fera des outfits. Ah ouais. De duo. Ouais, mais du coup, et tu crois que ça existe des une instrumentale des rats à la guitare?
la guitare, on a des enceintes. Ou... Oui, mais c'est pour les gens qui auraient des problèmes de maux de tête avec ça, quoi. Ah. Par rapport au... Ouais. Comme moi, par exemple. Ouais. Je me demande si mon instru de demain, elle fait pas des maux de tête. Oh là, oh là, Mais en fait, non, mais c'est pas venir au final, pas connu, quoi. Mais oh. Mais c'est quoi? Ah, tu veux pas spoil? Non, attends, ça c'est un mur. C'est là. C'est par où la sortie? Je peux vérifier quelque part c'est... Attention, je vois que Eddie, je sais pas où est Luna. Attention, pardon, je sais pas si... Vas-y, vas-y, tout droit. C'est là. C'est à peine à gauche. Là. Ouais, hop, re à gauche, c'est super. Tu peux vérifier quelque part. Bah, ça. Ouais. Bah, tu l'as pris sur YouTube des... Bah, c'est juste l'instru, voilà. Tu vois. Et après, ouais, quand mais c'est marqué. Est-ce que c'est marqué no copyright ou free copyright ou copyright free devant? Non. Ah. Regarde dans la description, peut-être, de la vidéo, mais ça part mal. Hein. Après, c'est une instru. C'est une chanson connue, mais t'as pris une instru de genre. Non, c'est pas une chanson connue, c'est genre une chanteuse mexicaine. Personne connaît. Genre, attention, son clip, il y a combien de vues? Regarde. Après, c'est pas parce qu'elle a 3 vues que c'est pas, qu'elle est pas enregistrée chez un label et que c'est pas copyright, quoi. Ouais. Ouais. Problème. Ouais. Elle a 50 000 vues, c'est pas. Ah ouais, mais ça peut être assez pour un label, ça. Après, il existe peut-être des sites pour vérifier quand même. Mais qu'est-ce que. Attendez. Au pire, ça te bouche les oreilles. C'est pas le pire qui puisse arriver. Ah. C'est ce qui est sûr qui arrivera. C'est que ça bouche les oreilles pendant une bonne partie des. Ouais. Mais le pire, ouais. Et que ça donne une grosse migraine et puis que ça envoie au lit pour un bon moment, quoi. Oh, ah ouais? Ouais. Non, mais il doit y avoir un site pour vérifier. Copyright check. Je suis en train de checker. Copyright checker. Ben en fait. Check music copyright online and it proves. Voilà. Ben ça j'ai fait, mais ça prend le lien de la vidéo. Mais si ça se trouve, moi, vu que je chante par-dessus l'instru et que je chante comme une casserole là-bas, ça enlève le copyright, non? Je suis pas sûr. Hein. Ah ouais? Mais ouais, parce qu'en fait. Attends. En gros, cette vidéo, la vidéo officielle, si je la mets, il met que c'est copyright et il me met les autres versions pas copyrightées et il me met genre la version où il y a les paroles dessus. Mais c'est exactement le même audio. T'es sûr? Attends, je suis en train de checker sur la vidéo. Mais au pire, c'est pas grave, spoil-moi. Faut mieux que moi, je sois spoilé, qu'on soit sûr que plutôt que tout le monde soit... Attends, ça me dit... Au pire, tout pire. Monetization will be prohibited or blocked in some countries, but you can find a no copyright version. Et quand je regarde les no copyright versions, c'est ouf. C'est où alors? Tu voulais lancer une boule de neige dans le resto, mais je pense qu'il va m'engueuler, Axel. Oui, il va péter un câble. Ah. Après, je peux en lancer une. Il y a la version acoustique, mais je chante trop mal pour chanter sur des trucs lents. Ah, mais non! Je sais pas, je t'ai jamais entendu chanter. Bon, tu sais quoi? Attends. Oh, le bâtard, il veut subscribe pour me dire si c'est copyrighté ou pas. Ah ouais, t'as le droit qu'à un check par jour? Attends, je vais refaire. Ah, fais chier. Bon, bah, je te spoil, hein, Nick. Tu m'envoies par mail la version acoustique et tu peux vérifier. Ouais, vas-y, hein.
façon, tu vas pas écouter là, parce que bon. Donc ça te spoil que le titre, on s'en fout, tu iras pas écouter. Je la connais. Sérieux? Bah oui, il y a une chanson d'elle que j'écoute tout le temps. Bah c'est Mexico. Ah mais je l'écoute tout le temps. Ah bah je la connais, elle est super bien. Bah ouais, elle est trop bien. Ah ouais, bah... Je sais pas si c'est copyright, mais... Tant pis. Mais... J'entendais pas ça. Ah ouais, mais non, elle est trop bien cette musique en plus. Bah oui, elle est trop bien. Take me to my home and let me go. Where all my problems dissipate. Ah bah ouais, non mais chante-la quand même, hein. Elle est trop bien. Bah après si, oui. Même si. Hein? Même si. Même si ça risque des maux de tête aujourd'hui. Ouais, bah après au pire. Tu préviens, mais il y a peut-être beaucoup de gens qui vont partir, quoi. Bah, c'est ça. Ça me ferait chier de causer des problèmes aux gens ou que les gens se partent la soirée, quoi. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Après... Bonne soirée, le... Bonne soirée. Bonne soirée. Attends, attends, attends. Ouais, ça fait longtemps que je t'avais pas vu, Emilia. Que c'était beau, quand même. On vérifie un truc, Antoine, parce qu'il y a moyen que ma chanson, je puisse pas la faire demain. Est-ce que je fermerai pas, Eddy? Oh, si, je pense qu'on peut fermer, hein. Ok, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'on en pense Je regarde sur son YouTube, voir si c'est... mais ouais, après, elle dit pas qu'elle est dans un label, hein. Et attention, attention... Bah ouais, après, elle est sur Spotify et merci. Tout, je sais pas si ça... Il dit guitare performance shot by listen to Mexico hein. Elle met son fan link et tout ça mais ça dit pas qu'il y a un label après. Bizarre cette histoire. Je lis la description de son Spotify. Et pourquoi vous pouvez pas le faire? Bah pour les gens à qui ça pourrait donner des maux de tête. Enfin, voilà. Par exemple, moi ici présent, ça pourrait me donner des. Faut faire attention à ça. C'est pour ça que je peux pas faire. Quand je la cherche sur internet, je tombe sur son LinkedIn, quoi. Enfin bon, ça permet peut-être un monstre qui copyright tout ce qui passe, tu vois. Ah oui, j'ai son LinkedIn et son Last.fm sur le... et son TikTok. Bon, vrai, je pense que c'est bon. C'est pour ça les musiques des rappeurs américains, je peux pas les cover. Dit... Qui? Quoi? Pardon. Qu'est-ce que... C'est dit. Oui, pardon, je vais me changer. Voilà. Are you my last hotel? Oh là là, mais pas mi. Ok, bim bam boum, bim bam boum. Nickel. Nickel. Hop. Luna, on est poussé vers la sortie là. Bah oui, mais faut que je prenne une décision pour demain. J'ai besoin des conseils d'Eddy. Ce qu'on peut faire, c'est que... Bonne soirée, sur ça. Bonne soirée, bonne soirée. Ce qu'on peut faire, c'est que moi... je pense que là, dans pas longtemps... Ouais. Je peux ne plus avoir
de mots de tête, tout ça. Ok. Je pense dans pas longtemps, l'air sera plus pire. C'est... Oui. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, dit. On en parle à l'appart, quoi. Voilà, on parle à l'appart. Exactement, ça va être bien, on va rentrer ensemble, là, tranquille. Enfin, on peut dire ça. Et puis on parlait à l'appart, tout à fait. ça me paraît pas mal. Allez, mais on peut faire ça. Ah, mais écoute, au pire... tu me tiens au jus, hein, parce que je vais pas te pousser à purifier ton air maintenant, mais... Au pire du pire. Ah oui, non. Ah, on force pas les gens à purifier leur air comme ça. Hein. Ah bah non, c'est votre poli. Attends, on dit, oh. J'allais dire au pire du pire. Et la chanson, tu peux la jouer à huis clos. Et voilà, quoi. Bah voilà. Oui, après, oui, tu peux dire attention. Attention, les jeunes. Mm-hmm. Mot de crâne. Mais après, c'est pas worse, quoi. Mais après, tout le monde va partir, quoi. Elle joue la chanson devant deux personnes, quoi. Pas la honte. Mais en plus, bah, franchement, je vais arriver à une scène ouverte pour dire bonjour, je veux faire ça en huis clos. C'est un peu mal poli, quoi. Bonjour, sortez du bar, s'il vous plaît. Non, attends, je sais ce qu'on peut faire. On peut faire un ok. Au pétard. Vous êtes plutôt ok ou là là là? Moi, perso, je suis plus là là là. Moi, je suis là, pas, là, là, là j'ai pas la ref. Quel dommage. Dommage. Bah, par exemple, cette histoire de ça, bah. Y a pas. Je peux pas la cover. Je suis abattu. Ok, là là là? Ouais. Ouais. C'est qui? Mais du coup, okay. Au pire, okay. Ce qu'on fait, c'est que peu de temps avant que je purifie mon air, on balance la tu balances la chanson. Ouais. Et puis je vois ce qui se passe une fois que j'ai purifié mon air. Comme ça, si c'est que la fin de mon air. Ouais, mais si ça t'envoie dormir, c'est chiant. Non, mais parce que je pourrais. je pourrais prendre la petite partie polluée et puis l'envoyer bouler, quoi, je veux dire. Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est que moi, ça va, là. Tu peux ouvrir les fenêtres, quoi. Oui, voilà. Voilà, voilà. Je peux souffler un peu dessus, là. Que ça, là. Eh ben, on peut faire ça, Donc, du coup, ça va te spoiler ma version. Merde. C'est pas grave, écoute, tant pis, mais voilà, on est obligé de faire le premier à cringe sur ma vieille voix pétée. Attends, mais au pire, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais parce qu'on va pas mettre la vraie version, parce que ben là, c'est presque sûr que... Ah oui, oui, non, c'est sûr. Voilà. Mais au pire, ce Moi, qu'on fait... Moi, les batailles de boules de neige, vous savez quoi, je vais pas en faire, parce que je mets des patates après aux gens. Ah, ouais. Et au pire, ce qu'on fait, c'est que... Je te dis go, tu balances avec une enceinte et tout ça... Ok. Et moi j'écoute pas, juste moi je veux dire, je bouche les oreilles. Je me mets non, en méditation. Mais ça fait respect, c'est bon, tu pourras me donner ton avis au moins. Tu vois, je me mets en... Non mais tu pourras me donner ton avis. Ok. Je vais cringe à mort parce que je déteste entendre ma voix dans les enceintes, c'est horrible mais... Bon t'inquiète, moi j'aime pas m'entendre non plus. C'est atroce et en plus, franchement, je sais même pas pourquoi je fais un truc chanter alors que je passe pourtant à dire oh là là, je chante super mal. Bah non, il fait bien, il faut oser. Allô ? Salut ! Ouais. Sinon, on se capte demain. Parce que là, en plus, je vais pas tarder. Mais Faut faire attention à combien il reste de boules de neige. Ça avait dit. Ça va, c'était une petite. Regarde. Un peu de froid. Hop là, j'ai raté. Putain, la honte. Merde, j'en dis plus. Oh, j'ai loupé. Je me rends. Tu vas voir, toi. Hop.
froid. Hop, il y a de la neige, il y a de la neige. Ah bah oui, il y a de la neige, oui. Faut pas s'asseoir. Ah bah non, non, non. Mais non, non, il y a de la neige, merde. Oh, mais pour les prochaines scènes ouvertes qu'on va faire au resto, on va faire comment, là? Parce qu'on peut pas les faire dehors, là. Compliqué, là. Pas monter. Bah non, je suis dégoûté que ce soit pas deux places, c'est trop bête. Attendez, mais les lacs ils sont gelés? Non, les rivières sont gelées? Comment ça? Je sais pas, Maya elle a mis une photo, on dirait que la rivière elle est gelée. C'est un effet, non? C'est un effet, ça. Ah, Photoshop, ça. Oui, oui, la mer, oui, il y a de la glace un peu au-dessus. Mais, là, mais par contre, si on tombe dedans, on meurt. Hein. Là, on dirait une rivière, là, juste. Ah ouais. Bah, c'est une entrée, je pense, de rivière, tu vois. Ouais, il y a une berge en face, quand même. Tu vas te coucher? Dans tous les cas. Bah, j'allais dire là, si tu veux, je peux aller purifier mon air dans pas longtemps, donc on peut rentrer à l'appart et hop. Hein. Vas-y. Bah, si tu veux me ramener, je viens avec toi. T'es en motoneige? Ouais, j'ai qu'une place par contre. Du coup. Merde. Bah, tu peux me poser à Wick. Bah, non, passe-moi au Weasel et je prends ma bagnole, Antoine. Ouais. Vas-y, bah, on se voit à l'appart. A plus, Antoine! Ouais. Wow! Take me to my home in Mexico. All my problems disappear. Ok, 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 on rentre pas à la maison. Ça m'emmerde de laisser ma voiture tout là-bas, moi. Ah. Tut 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 t
Je sais pas si je vais la chercher quand même. Ouais, non, non. All my problems dissipate. Take me to my home in Mexico. Je me demande si c'est pas gelé, moi, quand même, toute cette histoire. Oh, je vais aller l'attendre à l'intérieur. Pipou pa pipo pa pipo pipo pa pipo la rou. Oh putain. Table, la table. Table. Hey. Je relance juste vite fait pour voir si je peux avoir la table. Ce sera mieux pour le plan si on se fait un petit plan en mode on chante et tout. Enfin, elle chante, elle nous fait écouter sa musique et tout. Ça peut être stylé. Ça peut être un petit plan cool, hein, donc ce serait bien que. Ouais. Bah non, bah ça va, attends. Ça va. Bah ouais. Pour la fois, il y avait des petits. Je les ai pas fait. Hein. Après, bah oui, non, mais c'est bien. Non, mais en vrai, ça passe, hein. Oh bah ouais. Attends, oh tu m'as fait... T'es oui. Stressé de fou, là. Ça va. Trop. Ah non, bah attends. Ça va. Bah oui. Ah, oh, j'espère que ça pollue pas l'air, hein. Si. Bah ça, on va voir. Ah, on va voir, ça. Non, ouais. Non, mais c'était super. Merci. Oh bah ouais. Wouh. Il me faut une tenue. Oh, ah bah ouais. Bah, une tenue couleur du Mexique. Ouais, ou juste une tenue un peu chill, un peu memes. Oui, c'est un sûr. Un peu summer vibes, parce que c'est un peu summer vibes. On ouais. Va se Après, va pas non plus te cailler le cul, quoi, c'est sûr. Hein. Bah ouais. Parce que summer vibes, mais il neige quand même. Après, si je me change là-bas, ou alors que je me change dans le magasin d'en face, et puis vite, je suis en voiture. Ouais, ou t'apportes la tenue dans un sac, et puis tu demandes à te changer dans un coin, ou je sais pas. Ah voilà, voilà. Normalement, je crois qu'ils ont une salle en bas, ou en haut même. Tu peux demander à Freddy. Freddy va bien te laisser aller en bas. Ouais. Changer quand même. Sinon, est-ce que j'ai des trucs en stock? Pui, take me to my. Traditionnel petit jean et tout, tu vois. Il est pas en plusieurs couleurs ce top là? Si. En vrai, tu peux te faire un petit truc comme ça, ouais. Pétard de pétard. Je verrai demain. Bah ouais. Bon, si à chaque fois que je fais une cover, faut qu'on fasse des tests, ça va être cool. Après, c'est la prod, hein, on est le studio, hein. Let's go. Hop. Ouais, j'ai voulu faire le DJ, mais j'arrive pas. Ouais. Oh là, je monte sur la table, je suis complètement fou. Mon label, c'est Evans Records, en fait. Evans Records, putain, c'est le pire, c'est que ça sonne bien. Oui. Evans Records, ça sonne un peu bien, quand même. Hein. Ah bah, ça sonne très bien, même. Bah ouais. Hein. Peut-être... Ah non, mais après, je vais pas faire de la concurrence à Deli, quand même. Bah en fait, en plus, il y en a déjà deux, des labels.
me suis encore fait démarcher par Goliath. Ouais, après Goliath. C'est Antoine André, quoi. Ouais, voilà, c'est le, l'ancien label de la police, et puis c'est Antoine qui chante dessus. Mais il y a un flic qui m'a dit je veux pas te, avoir un label et tout, et genre je lui ai dit non, mais je chante pas bien, enfin tu verras demain, mais. Et il m'a dit bah, on a Antoine André, j'étais là, waouh! Bah, après, alors... tu chantes mieux qu'Antoine André, déjà, ça peut te rassurer. Bon, ça me fait plaisir. Ah ouais, quand même. Hein. Après, franchement, il y, y a plein de moments où ça grésille, mais alors je te jure que c'est l'instru, en fait, je pouvais rien faire. Bah non, moi, il y a juste un moment où ça a grésillé, mais ça a l'air. Hein. Ouais, je trouve qu'il y a plein de moments où ça sature un peu, mais en fait, c'est pas ma voix, c'est vraiment l'instru et j'ai rien pu faire. Genre, j'ai essayé de bidouiller et tout. Laisse tomber. Ouais, non, mais t'inquiète. De toute façon. Et puis, pareil, c'est pas tuné rien. Hein. J'ai mis la voix, j'ai fait pout. Allez, non, bah, t'as... ça part en prod. On s'en fout. Tu sais, les gens qui feront toujours plus que la musique d'Antoine qui dure 5 minutes. C'est très, très long. 5 minutes sur lui et son frère où il se traite de connard, ça, c'est long. Hein. C'est long. C'est. En plus, quand t'as fait un peu de solfège, je veux pas te mentir, c'est très long aussi. Hein. Non, c'est, il y a des notes, il y a des notes pour. Ah oui, non. Je pense qu'elles sont pas censées être là. Hein. C'est long. Hein. Mais bon, c'est super. Après, le mec a fait l'effort d'écrire un truc et tout. Ah bah après, non. Ans. Par contre, enfin, oui, jamais, il se moi, donne. Je sais pas, tu vois, moi, il y a une meuf, elle a fait une chanson, j'ai fait. Je prends. Allez. Ah bah oui, non. Par contre, il se donne, ça, c'est sûr. C'est juste, c'est peut-être. Ce serait moins long, je m'ambiancerais, je pense, dessus. Hein. Je pourrais. Hein. C'est juste, ouais. Là, c'est la première fois que je l'ai entendu, je me suis ambiancé. Grave, après, c'est vrai que quand il le fait à plusieurs scènes ouvertes et puis que tu commences à connaître et puis que c'est juste long, bon voilà. Un peu, ouais. Mais sinon, non, c'est bien quand même, hein. C'est sûr. Ouais. Non, je veux pas bitcher. Non, bah c'est super. Moi, je m'attendais bon, à cringe. Merci beaucoup, bah, c'est en bien, tout cas, en fait. Eddie. Pas de rien. Moi, j'ai cringe, hein, en tout cas. Ouais, mais c'est normal. Moi, tout le temps, j'étais là, c'est nul, c'est vraiment de la merde, c'est à chier, au secours. Ah bah non. J'ai envie de disparaître. Et je me serais pas mis à danser, hein. Je t'aurais arrêté tout de suite. Hein. Sérieux ? Ah bah oui, c'est oui. Gentil. J'ai besoin d'honnêteté, je pense que la semaine dernière, je vais le dire, soyez honnête, s'il vous plaît. Si c'est insupportable, si ça m'était insupportable, je t'aurais c'est dit bon. C'est insupportable, quitter la pièce. Je vais me coucher. Hein. Non, c'était bien. C'est juste chiant parce que c'est vrai que je l'écoutais pas mal en début d'année. Ah. Enfin, milieu. Là, fin, c'est, en fait, j'écoutais cet été. Et du coup, là, je l'ai passé plus dans ma playlist. Et du coup, bah, maintenant, je l'ai re-en tête, quoi. Elle est trop bien en plus. Bah ouais. Je la connais par cœur, du coup. Bah oui. Chaque partie, dans chaque langue. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Ouais, oui. Il y a une anecdote aussi que je travaille en ce moment, mais par contre, ouais, c'est full en espagnol, donc personne ne va répéter, mais ça va être bien. Ce qui compte, c'est ce que tu transmets, c'est les émotions. Ça. Pétard, je vais avoir deux chanteuses, j'ai deux sœurs chanteuses à soutenir maintenant. Oh là là, bon, je pense que Mandy est bien meilleure que moi, on va pas se mentir. Bon, ouais, elle a un petit niveau, mais... Ouais. Après, elle est aussi plus vieille, elle chante depuis plus longtemps. Hein. C'est ça, je débute, moi, c'est ma première chanson, hein. Ah bah, ah ouais. Mais c'est la première fois que je chante, moi, je chantais pas, hein. Ah bah d'accord, ah oui, non, bah elle m'a dit qu'elle chantait depuis plus petite, quand elle était toute seule à la maison et tout, c'est pour ça. Ah oui, non, bah pas du tout. C'est pas mon truc, moi, je chante sous la douche, quoi. Ah ouais, bah moi aussi. En fait, bah... c'est en voyant les autres faire la scène ouverte et tout. Ouais, ça donne envie de faire des trucs. Hein. Puis j'ai vu Antoine André, je me suis dit, bah tout le monde peut le faire, quoi. ouais, ça c'est sûr. Non, mais. Bah non, mais en tout cas, bah, pour la première fois que tu chantes vraiment et tout, en vrai, c'est bien. Moi, si je chante en fait, premier degré, c'est pas comme ça. Hein. Moi, c'est plus Antoine André. Beaucoup, hein. Mais dans mon coin et tout, et genre, j'ai jamais fait écouter, quoi. C'est oui. Ça le truc. Puis c'est pas mon talent, enfin, on va pas se mentir. Bah, après ça se travaille aussi, hein. Tu sais, il y a un truc qui dit que tout le monde peut chanter si travaille sa voix. C'est vrai. Après, je suis pas sûr que ça après, concerne vraiment 100% des êtres humains, ouais. Mais voilà, je pense qu'il y a des gens qui partent avec plus de oui de facilité que d'autres. Il y a des gens où il y a une quantité de travail à mettre qui est peut-être un peu trop impressionnante. Voilà. Moi, je pense mais qu'avec non, un peu ouais. De travail, ça peut franchement être ok, mais c'est juste qu'après, il faut que je me réconcilie aussi avec ma voix, en fait, tout court. Oui, c'est va. Bah, de toute façon, c'est comme quand tu fais. Voilà, je m'entends parler, j'ai envie de crever. Donc, dès que tu fais des trucs dans l'audiovisuel et tout, faut apprendre à apprécier son image et sa voix, et c'est pas simple. Ah oui, non, c'est pas simple.
Bon ben merci beaucoup Eddie, hein. T'es un soutien exceptionnel. Ah ouais. Bah moi tu moi dis, je vais hein. bouger. Je ouais, vais vas-y, voir vas-y, une copine. Vas-y. Moi je vais pioncer. Bah bonne nuit. Je vais purifier mon air. Tu m'envoies un petit mail pour voir si ça a bien aéré. Ouais, je vais voir ça. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, et je rentre sans faire de bruit. Voilà. Vas-y, vas-y. Bisous. Bisous. Pouille, 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 pouille. Voilà, parti. Je peux me déconnecter. Hop là. Ah non, je vais me déconnecter pour de vrai là. Ok, et eh ben bonne nuit Eddy, bonne nuit moi.